Eh bonjour à tous, bonjour, ici Cléassim, et on se retrouve sur le serveur 21 Jump Click et sur GTRP pour continuer l'aventure avec notre petit Rico. Alors, on va commencer déjà par les messages. Très bien. Salut à toi, Jackel. Ah, tu regardais la mano, très sympa. Vraiment très sympathique, généralement, les streams de la mano, j'aime beaucoup. Même si je ne les regarde plus pour éviter de me spoil. Enfin, je regarde quasiment plus de stream d'ailleurs, c'est pour dire. Bah, le problème, c'est que pour l'instant, je suis au bas de l'échelle. Si j'ai pas commencé à me faire connaître, c'est difficile, quoi. La mano, je les connais un petit peu. Enfin, Rico les connaît un petit peu parce qu'il a quelques contacts. Mais après, il sait pas quoi leur donner comme info. Il leur faut des grosses infos, donc. C'est aussi ça le problème, c'est que... Mais bon, après, c'est vrai que si... Enfin, le problème d'améliorer son réseau, c'est que bah, pour l'instant, je les croise sur le parking, mais c'est vrai que je discute pas beaucoup avec eux, donc ils n'ont pas forcément de raison de discuter avec moi. Si... Enfin, c'est vrai que quand ils viennent réparer leur voiture, il faudrait que j'aille discuter un peu plus avec eux, mais pour l'instant, Rico, c'est pas quoi leur dire. C'est ça le problème. Non, 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 Alexei va se poser quelques jours, peut-être plus, et pour le moment, on ne sait pas plus. Ah, bonjour. Yoriko. La forme? Après, s'il part définitivement, ça sera son choix, mais dans tous les cas, on verra ce que ça donne en RP. Salut à toi, Grignoran, tu vas bien? Après, le tout, c'est qu'on le jouera en RP quoi qu'il arrive. Faut laisser le RP se faire et puis faire avec, quoi. Ah, ça va, ça va. Là, je sors du sport, je pète le feu.
D'ici 2-3 heures, je vais être complètement cané, mais sinon ça va. Allez, salut! Salut tout le monde! Salut Rico, comment ça va? Ça va, et vous-même? Bah oui, ça va, ça va. Ouais. Enfin, si je faisais des trucs intelligents, ça serait. Après, si je. C'est pas faux ça. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. J'en ai tété. Oh merde! Oui. Quoi? Oh, c'est pas cool les ITT. Oui, j'ai dit que vous étiez en ITT. Ah oui. Pourquoi j'ai un cookie? Trop bien. Je crois que c'est Zach qui m'a donné Spécialement un le cookie. cookie. T'as il court en bouffant sa pizza là, bam bam bam. Ah, y a pas le temps, il met un gros coup de croc dedans quand même, hein. Le fun et la vitesse d'abord. Bah oui, hein. Pas de panique d'abord. Papa. Ah, bah le burrito, ça a fait. Bon. Non. C'est non. Ah, la sultan aussi, ça a fait. Lina? Non. Et ça fait. Je me suis cassé avant la chanson parce que je l'ai déjà dans la tête. Rien d'y penser. C'est une horreur. Il l'a pas chanté quand même. Tiens. Oh, j'ai entendu bim bam boum, t'inquiète, je Non, l'ai. Hein. non, on était parti sur autre chose que t'aimes pas trop après. Tu préfères une autre? J'ai peur. Oui, non, je pense que tu dois avoir peur. Hein. Ouais. Franchement, dis non, non, dis non. Non, merci, Pas Eric. la loula. Non, ça par contre, ta gueule, c'est moi que ça saoule ça. Je sais. Wouah. Marc, hier, j'avais Capitaine Flamme, hein, toute la journée, hein. Oh, c'est violent ça. Notre galaxie. Bien. Ça, Guillaume. Oh là, on n'est plus dans le même registre, hein. Ah non. Où est bon? Il fera surtout comme il peut, Jackal. Tu sais, des fois, C'est beau, hein, c'est les sombres les connards, hein. choix On sont. dirait Mickey, Faut ta prendre voix des de choix, on colle. n'a pas forcément la possibilité de faire autrement, quoi. Salut à tous, les amis! Je suis Mickey! Venez jouer avec moi! Je Et crois en plus, que. la chanson, c'est Tata Yo-Yo. Tata Non, c'est yo-yo, pas comme celle-là, ça. non. Si, c'est ça. Tata yo-yo, Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand sous ton chapeau? chapeau. D'où ça sort ce truc? Bah, du chapeau, peut-être. Non, mais vraiment, ça sort d'où? Tata Annie yo-yo. Cordy. Bah, c'est. Ouais. Tata Sous yo-yo, ton c'est la dame qui est chapeau. au Mont-Gordeau à 23 h. Ah ouais, c'est vrai, tu. Oh putain, c'est vrai, je Oh l'avais mon créé. gordo!
Ouais, je vois qu'il y a des kits nettoyage à faire. Je n'ai jamais fait. Bah, on c'est les normal, fait pas. Il faut qu'on les commande. Ah bah oui, c'est vrai. Mais j'attends qu'il en manque 600 pour les commander. Ah ouais, donc bah oui, forcément. Plus simple de les commander 600 par 600. Bonjour tout le monde. Coucou. Ouais, salut. Comment ça va? Et toi? Ça va. Avant, il fallait qu'on les achète au YouTube, les kits nettoyage, Rico, mais... Et maintenant, c'est Darnell qui les fabrique, du coup, on leur commande directement à eux. Voilà. D'accord, ça marche. Mais le dis pas, Green Laurent. On dira en discutant en RP, mais dis-le pas là. Après, oui, si t'as pas la motivation ou si t'as pas l'envie, c'est dur de faire du RP, c'est sûr. Faut vraiment pas se forcer pour ce genre de choses. Bah oui, mais je suis pas censé le savoir maintenant. Oh, Scotty, j'ai une idée. Ouais. Dans le jeu où tu peux ouais qui va sortir Harry Potter ouais. J'ai envie de casser les codes. Oh merde. Qu'est-ce que des Serpentard avoir un personnage gentil et Gryffondor un gros connard. Oh, allez. Ouais. Mais pourquoi faire la serp... Oui, Rico ne sait pas, mais c'est plus simple de jouer la surprise quand on le sait pas. Je crois que c'est l'inverse. Ouais, bah Serdek, c'est le feu, hein. Bah Team Serdek de ouf, hein. Ouais, voilà, bah, voilà, quoi. Nickel les codes. Nickel. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Non, non. Voilà, de la boulette. Ouais. Sortez les briquettes. Sortez les briquettes. Let's go. Ah, s'il y a moyen, je vais faire aussi un trou de boulette. Dans votre gangster là. Ah, ça pourrait se refaire. Hein. Aussi, ouais. De prendre toute la chanson, de la modifier façon zombie, ça peut être très cool. Hein. Mm-hmm. Sans moi. Hein. Oh, tu feras bien un petit effort. Non. Oui, salut à toi, Spiro. Il y a encore ceux du matin, entre guillemets, puis ceux qui vont faire l'après-midi et le soir, quoi. Pas trop d'activité aujourd'hui. Après, Scotty et Mélina sont en ITT actuellement. Kali vient juste d'arriver. Lila était déjà là. Pareil pour Sven et pareil pour Lenny. Non, c'est pas une voiture, c'est une moto, ça. C'est la gargoyle. Et j'ai raté oui, ce matin. Salut à toi, Maro. J'aime bien dire gargoyle.
C'est plus des gaffes, c'est du gros fail des familles, hein. Vous avez bien dormi? Oh, nickel, ouais. Bah, j'ai repensé toute la nuit à ce que Lily a dit hier soir. Qu'est-ce qu'elle a dit hier soir? Ah, tu sais, pour ma panto. Ah! Pardon. Ah, j'hésite à y aller voir si elle y est bien. Non, non, c'est juste que je parle pas beaucoup. Je suis en train de travailler tranquillement. En fait, j'essaye de penser à comment j'amène la scène. Parce que j'aimerais faire un truc avec Kali. Mais il faut que j'amène le truc et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Je pense qu'elle serait ravie de le D'ailleurs, faire, mais mais. c'est pas grave, hein, j'assume. Si tu veux, je peux demander au chief qu'il revienne avec sa voiture MMA. C'est mort. Ah oui, d'accord. Donc Franchement, je mec. réfléchis. Toi aussi, t'as attrapé froid? Putain, j'arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure. Et puis j'écoute aussi ce qui se dit, mais bon, c'est vrai qu'ils sont plutôt silencieux, donc c'est compliqué d'écouter. Enfin, c'est pas compliqué d'écouter, c'est qu'on n'entend rien, quoi. Forcément. Je peux te donner un poste d'informateur si tu veux. Mais pour ça, il te faut faire un. Bon, déjà, là, ce que je suis en train de faire n'est pas autorisé non plus. Mais ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses un dossier pour devenir époux, pour devenir informateur des gangs. Donc. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, il est interdit, bien sûr, de s'arranger avec d'autres joueurs pour créer des scènes, etc. Eh bonjour, ouais. Je suis un thé noir agrume. Ah ouais, putain, ouais, je vais me faire un thé aussi en Oh, vrai. c'est classe, ça me donne envie, tiens, en plus. Un petit Earl Grey là, sa grand-mère. Avec une petite dose de miel. Exactement, sirop d'agave précisément, oui. Ah ouais. C'est vrai que c'était avec de l'agave qu'on faisait de la tequila? De la gaffe? Avec de l'agave. Non, pas avec Vincent. Bah oui, c'est pour ça que je me demandais. C'est pas Vincent qui fait la tech, t'inquiète.
Oui, j'ai un petit doute, mais après, on en discutera, hein. On en discutera forcément à RP. Yokali. Ouais, coucou Mélina, ça va? Ça va, t'es dans ta tête, oui. Ouais. Elle est où la bouilloire là? Je la trouve pas là. Tu l'as cachée dans tes poches, ouais. Ah, ok, elle est là-bas, ok. Excusez-moi, poussez-vous, poussez-vous, excusez-moi. Ah, je peux piquer la bouilloire pour prendre un peu d'eau chaude aussi? Oui, vas-y, il en reste. Il faut voir avec Mélina. Hein. Ah merci. Mélinours, non, 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 Mélinours. Je reviens, elle m'a donné envie de me faire un thé. Ouais. C'est juste horrible. T'entends pas, on est d'accord. Je crois qu'elle est à fond dans sa Ah, c'est celle bouilloire de là, là, avec son non, c'est petit celle de thé là. là, hein. C'est parce qu'elle a dansé tout à l'heure quand t'es parti. Ah oui. Mélinours. Mélinours. S'ambiance grave, hein. Mélinours. C'est toi qui pars en sup, Lila? Non, c'est Calista. Ah, d'accord. J'ouvre plus tard, m'en fous. Ouais, je pensais que c'est toi, puisque Je les genre. fais pas. Non, ça t'en fait pas, Lenny. Non, j'en fais pas. T'en as pas fait, Lenny? T'as pas envie? Non. D'accord. Oh, y'a Rico aussi, faut qu'il parte après. Rico. Ah, il est dans sa bouilloire là. Elle est Il est dans dans la sa bouilloire, ouais. boa. Quand on sera plus en ITT, ce sera cool, ouais. Oui, ce sera bien ça. Je suis dans ma bouille. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me saoule de me lever à 5h demain là? Putain, Tu vraiment. m'étonnes. J'en ai deux. Ah oui. Ah. Bah, TMTC, hein? On est ensemble, hein? Ouais, je me réveille à 3 heures dans la villa, oui. Là 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 là. Non, moi ça va, je me lève à 5h, mais ça Partir à reste quand 4 même heures, tôt. repartir à 4 heures pour aller encore, oui. Ah, dur. Ah. Bon thé à Mélinounounounounours. tous, hein. Ah bah, Ouais. bon thé! De même, hein. Ouais, je disais après, Rico, si tu veux Vive le partir en sup, café! you can, hein. D'accord, ça Montez, marche. descendons. Bah oui. Moi, je suis... Ouais, Paris,
c'est quoi comme senteur? Attends, faut que je... C'est l'eau de la Seine. Avec un Vélib. Avec un peu de rouille, vous voyez. Et salut, Isaac. Un Vélib et une trottinette, non? Une trottinette électrique. Non, c'est un thé... Oui, thé noir. Et je me suis préparé un gros carreau de chocolat à côté. Par la flèche. Thé noir, pain d'épices, amandes, cerises. Non, c'est trop tôt, ça. Ça a l'air tellement bon. Ouais, c'est chez Daman, ils font ça. Oh là là. Ouais, ouais, non, mais... Ah, moi, c'est Darjeeling miel avec un gros carreau de chocolat. On n'a plus rien, moi. Avec des noisettes. Donc, ce soir, ce sera Fadjo, bah, les couilles. Putain, je préfère me prendre un bon thé colombien avec du sucre glace à l'intérieur, là, c'est nickel. Zazouk. Et coucou. Coucou Zazouk, gros coucou, ça va? Ouais, ça va. Un bon café, là. C'est cool aussi. Après, je vais peut-être me calmer sur la caféine, là, aujourd'hui, ouais. Ça a peut-être pas que de la réussite, ouais, c'est sûr. Mais non, mais c'est parce que il y avait un café et un Perrier Energize. Ah ouais, non, ah ouais. Là, au bout d'un moment. Ça fait beaucoup, là. Scotty, la pile. Ah, c'est plus une pile, c'est une centrale nucléaire, là. C'est Mimoy, comment tu vas? Moi je pète le feu, enfin retour de sport et tout, un bon thé avec la jolie voiture, un bon thé avec du chocolat. Qui est verte quoi? Et une mais celle-là elle a le droit d'être verte. Enfin bref. Moi j'ai pas le droit mais elle oui quoi. Pourquoi? Mais ça va bien sur certaines voitures, Isaac. Mais je t'emmerde. Sur certaines voitures. Isaac. Oui c'est moi. C'est plein. Youpiou. Ah c'est plein. Il n'y a aucun souci, Miwai. Tu fais avec le temps que tu as. C'est pas le problème. Ne t'en fais pas. Moi, j'ai tout mon temps. Si, c'est un bon proche, hein, carrément. C'est pas moi qui dirais qu'il faut absolument répondre, etc. Tu fais avec le temps que tu as. C'est pas un souci du tout. Ne t'en fais pas. Si je vends la mienne, tu l'achètes? Non, j'en ai rien à foutre. Mariko, il fait ses conneries à côté, tout va bien. Faut pas s'inquiéter du tout pour ça. Oui, non mais franchement, comme je dis, si vraiment... alors, je sais pas si vous avez déjà eu l'habitude de faire du RP ou pas, mais pour moi qui en ai fait déjà plusieurs années, etc., je sais que quand il faut prendre une pause, il faut la prendre. Essayer à tout prix d'enchaîner les trucs, c'est pas une bonne chose. Au contraire, ça a tendance à dégoûter du RP, ça a tendance à fatiguer beaucoup plus. Là, je vois par exemple que je commence à être en manque de sommeil, etc. La semaine prochaine, pendant 3 jours, je ne ferai pas de RP. Parce que je peux pas courir alors. Je ne ferai pas de live, rien. Bah non, du coup. Je vais prendre du temps pour moi. Donc voilà, c'est important de faire des coupures, des fois de dire bah non, ce soir, je stream pas. Ce soir, je joue pas ou je fais autre chose. C'est long, 4 heures en vrai. Pour pouvoir se changer les idées. C'est très très important. Let's go. Parce que certes, c'est cool d'enchaîner les scènes, c'est cool de faire des trucs, mais il y a un moment, il faut penser à la personne qui est derrière le personnage. Il faut penser au joueur. Donc posez-vous, n'hésitez pas. Je fais le franchement, tour. Franchement, le tour de la question. Non. Parce que après, t'as envie de rentrer à la maison. Ah, je l'ai pas vu le... J'avais pas fait gaffe au clip La fatigue dit des choses. Oui, non, il faut vraiment...
Il y a beaucoup qui veulent enchaîner les heures, etc. en début de partie, entre guillemets, et c'est... Je la connais, cette Cypher. Yes. Joli. Je mets un Rinko sur 10. Oh, si t'étais allé au bout des choses, j'aurais mis un Ayrton sur 20. Non, j'ai pas de marteau. Ok, il faut que je garde 16 000 pour mes impôts. Et okay. Voilà, c'est propre. Merci. Excuse-nous, quoi. Ouais. Mec, ouais, je... 16 000 d'impôts, quoi. Je vais enfin payer des impôts. Tu vois, tu dis, le mois dernier, j'en ai pas payé. Et puis là, j'ai passé deux. Heureusement que moi, j'ai fini le boulot depuis midi, parce que... Là, j'avoue que c'était temps que ça fasse pause, quoi. La semaine était un peu longue. Je vais pouvoir dormir un peu cette nuit. Je vais pouvoir dormir ce week-end. Ouais. Ça fait à peu près pareil. Oh, parce que... Ah ouais, putain, ouais. Mais wesh. C'est pas lui, mais... Non, mais c'est surtout, moi, enfin, ce que je vois là, et qu'il va falloir que je me calme un petit peu, c'est que, par exemple, les vendredis, j'ai tendance à faire 10 heures de live, pareil le samedi, et après, je fais quasiment 8 heures de live le dimanche. Ça commence à faire beaucoup, quand même. Elle a fait noyer maman, Junior. Donc il arrive un moment où ça fait beaucoup beaucoup trop. Et moi je m'éclate, mais en fait je fais pas attention après à ma santé, etc. derrière. Et ça, c'est dangereux. C'est surtout ça qu'il faut faire. Niveau ouais, sup, c'est préférable que je fasse 4024-4019 ou plutôt 3026-4019 et on garde 4024 pour vider les poches. À toi de voir, hein. Parce qu'après, si je veux faire un deuxième briquet, il y aurait quoi avec 3026 qui va? Il n'y a pas grand-chose. S'il y a toutes les 5000 après, qui faut sont faire un LS tour après. Ouais, c'est ça qui est chiant. Ouais, je vais laisser le 4024 pour qu'on se vide les poches. Ouais, c'est vrai qu'après ça fait beaucoup beaucoup de live. Et la c'est ça un qui peu est... plus de custo et plus. Et c'est ça qui est compliqué. Enfin, moi, les 12 heures de live, je peux les encaisser, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, je ferai pas attention et on peut arriver à faire des dingueries qu'on veut pas faire, quoi. Donc, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ouais, j'ai rien dit. T'en penses quoi la moto là-bas? Elle trouve Mims. Oui, généralement, je prends le temps de manger un petit peu, je prends le temps d'aller aux toilettes, tout ça. Enfin, je fais des coupures, mais il y a des fois, je fais des coupures, vous le voyez pas en fait. Il y a ça aussi. Mais
Il y a clairement des fois où vous voyez pas en fait que je fais des petites coupures. Mais ça après c'est question d'habitude de stream quoi. Ouais, j'étais exactement pareil. De toute façon, nous on est foutus, mais. Ouais, mais le problème, c'est que si je me déconnecte du jeu, faut que je le fasse avant. Quand je me déconnecte du jeu, il faut que je le fasse avant. Avant 8h, sinon après c'est un enfer. Oh non, mais c'est moi qui déciderai, Jackal. Si jamais je suis en action ou quoi que ce soit, j'arrêterai quand je pourrai. On peut pas arrêter une action RP comme ça, parce qu'on s'est dit à 18h je vais manger, quoi. Ça marche pas tout à fait comme ça. Si je fais un refus de RP, je peux me faire bannir du serveur, hein. Alors une fois, bon, de temps à autre ça passe, mais... je l'ai fait, j'ai déjà fait une fois une sorte de refus de RP, mais parce que j'étais en RP avec une autre personne. Voilà, mais t'es là pour jouer avec les autres, pas jouer tout seul dans ton coin, et voilà. C'est pas toujours évident, mais faut bien penser qu'on est plusieurs à jouer, quoi. Oui, ça fera à peu près 5 heures de live. Une petite pause d'1 heure et après on reprend. Ah, c'est bon, c'est complet. Merci. Les textes du week-end, du coup, je préfère, on sait jamais.
Oui, c'est toujours un peu la rocade qui pose problème, mais bon. Surtout vendredi soir, il y a un peu tout le monde qui peut venir jouer. Hier, je regardais, par exemple, il y avait 80 personnes qui étaient en rocade, quoi, alors que je suis parti à 22h, 22h30, et 23h. Donc ça fait vite, vite du monde, quoi. Bon, faut que je note mes sup. Et j'ai dit 30-26 et je vais mettre 40-24. Je file en sup, à tout à l'heure. Allez, petite sup, comme ça je pourrais boire mon thé parce qu'il est en train de refroidir là. Et j'ai mon chocolat qui me fait envie depuis tout à l'heure devant les yeux. Donc j'ai l'odeur du thé noir plein le pif là. Ça devient une torture. C'est en face. Ah ben non, c'est la sup toute pourrie. Ah, surtout moi, faut que je fasse attention avec le chocolat. J'ai pendant très longtemps eu des mauvaises habitudes avec, il faut que je fasse attention. Donc, non, non. Le chocolat avec modération. Ça faisait très très longtemps que je m'étais pas acheté une tablette. La tablette est déjà morte aux trois quarts, donc. Ah, salut! Salut. Ah, salut Ginette. Ça se passe bien les sup? Ça va, et vous? Ah, je viens de commencer. Ouais, la première de la journée. C'est ça. Comme ça, le temps de savourer un peu le café et tout ça. Tranquille. Ce qu'il faut. Ça se passe bien, Darnell? Ouais, c'est chill. Vos envies, ça va? Ouais, bah, comme d'hab, quoi. Toujours un peu la course, puis parfois des moments plus tranquilles. Puis après, c'est encore à la course. Vivement la prochaine course. Exactement. J'attends que ça. Bon, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Je veux voir si je vais faire 3 fois top 2 d'affilée.
ça serait presque drôle pour les courses d'avoir les véhicules perso, mais qu'ils soient tous montés de la même façon. Pour faire des C'est sortes peut-être. de catégories. Ouais, alors Pas faut par trouver des véhicule, cafés. mais après c'est compliqué quoi. Ah bah ouais. Pour organiser, c'est plus dur. Non, c'est le chocolat, c'est pas comme la vodka. Je peux, ça, je suis pas dégoûté, bien loin de là, mais je reviens. Au contraire, c'est plutôt addict au chocolat. Donc, la modération est de rigueur. Donc, je m'impose de ne plus passer par les rayons chocolat dans les magasins, etc., par exemple. Je refuse aussi quand on présente des chocolats au boulot. Parce que sinon, ça devient un enfer. Non, je sais que je me rachèterai pas de tablette avant un long moment. Juste que là, j'avais une petite envie, voilà, j'en ai profité. Petite question. Je suis à la Fondation Collins. Alors, j'ai vu que la mairie a mis que Darnell recrutait plus. Ouais. C'est toujours le cas ou pas? Que je puisse En avertir gros, les nouveaux arrivants. c'est très strict parce que ça dépend des horaires des gens en fait. D'accord, donc je peux toujours dire aux nouveaux arrivants de poser Oui, leur CV voilà. en donnant leurs horaires, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que j'avais plusieurs nouveaux arrivants qui m'ont dit qu'ils avaient posé leur CV, qui avaient été refusés à cause des horaires et tout. Que je puisse au moins les avertir, quoi. Ouais, parce que là, Darnell, on est quasiment complet et en fait, bah, des fois, nous on se retrouve à 8-9 à bosser en même temps. C'est plus compliqué à 8-9 à Darnell que 8-9 aux zombies, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Aux zombies, vous avez les réparations de véhicules et au pire, vous pouvez faire des subs. Donc, bah, nous, il y a tous les stocks à faire et tout, quoi, à chaque fois. Donc, c'est compliqué si on est tous là en même temps, quoi. Oui, parce qu'après, si si les stocks sont complets, C'est ça. ça bloque un peu la production derrière, quoi. C'est ça. Je vois. Donc je peux partir que potentiellement il peut y avoir une ou deux places, mais que les places sont disponibles qu'en fonction des horaires. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, Darnell, c'est ça. D'accord, ok. Alors c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de retour des entreprises, pour diriger les nouveaux arrivants, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'ils nous disent, ouais, on a postulé là, 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 on n'a pas de réponse ou... Ou alors on nous refuse et puis on nous dit pas pourquoi, alors que bah forcément,
S'ils savent que c'est des horaires, par exemple, le soir, bah, je pense que vous êtes assez nombreux le soir. Il faudrait plus des horaires d'après-midi ou de matin, quoi. Ouais, ça, ou de nuit aussi. Après, c'est rare de trouver des gens de nuit. Ah, de nuit, c'est plus compliqué avec la tempête à 3 heures. Darnell a pensé à faire une équipe pour participer au Battle for Court. Je crois pas. Ah, faudrait motiver les collègues. Ça peut être sympa. C'est toujours sympa des petites sorties Ouais, bah en entreprise et tout. Alors après je dis ça, j'ai pas regardé s'il y avait toutes les équipes bien inscrites ou pas. ouais, et puis en plus, moi là, je suis en train de nous préparer un une tour de petit team building à Pernel. Donc, faut que je vois encore. Ah, pour l'instant, on a que deux équipes. D'inscrite? Ouais. T'es commencé demain à 21h? Non, c'est le premier. Le premier? Le premier c'est commencé mercredi? Ouais. Ouais, Ouais, je même peux essayer. 21h30 même d'ailleurs. Je pense que c'est Ouais, je vais essayer de 21h pour que tout le voir. monde soit sur site, quoi. Ouais, c'est ça, c'est souvent ça. Ouais, bah, à voir. Après, plus il y a d'équipes, mieux c'est. Hein. Oui, c'est ça. C'est plus amusant. Si on a que 4 équipes, bah, ça fait tout de suite la finale. C'est un peu tristoun, quoi. Ouais. Bye bye. Ah, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui se motivent. Parce que là, on peut avoir 8 équipes. En plus, il y a un loser bracket pour Il y a que le sort les. bracket pour avoir 4 recettes à la fin. Ouais, pour avoir la 4e place, ouais. Donc c'est pour ça que ça peut être sympa. Ok. Allez, je le vends mon événement, hein.
Et puis en plus avec les problèmes de bouchons là le soir en ce moment, faut s'assurer que les personnes soient là. Ouais, c'est après oui voilà, c'est ça, c'est que bon les personnes doivent être là un peu plus tôt que je pense être là avant 8h pour éviter les problèmes de route, d'aéroport, tout ça. Ça peut être pas mal. Donc ça permet toujours de se préparer, de faire la tenue ensemble, ce genre de choses quoi. Même je pense 19h30 c'est déjà pas mal. Parce qu'après une fois que c'est en place, et que les personnes sont déjà là, c'est plutôt pas mal quoi. Oui c'est ça. Juste un appel à faire vite fait. Faites. Bah tout le monde sur le principe oui et non, parce qu'on n'a pas le droit d'être plus de 80 sur un même site. Et je sais pas quel est le périmètre. Donc alors après il y a l'ENA qui sera. Attends, la marque je t'appelle alors que j'ai à peine de t'appeler. Il y a. Non je sais pas, t'as répondu, j'ai eu l'impression que t'en avais déjà marre. L'ENA qui va faire de toute façon sa soirée. Voilà, faut voir les choses quoi. Non, mais c'était pour savoir pourquoi t'avais Rumpo dans ta liste de véhicules. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de foutre quoi avec le Rumpo? Pourquoi avec le Rumpo? Parce que c'est pas un véhicule de prod. Bah, tout, on pourra pas parce qu'il y a une quinzaine d'entreprises et on a que 8 équipes. Non. Pour l'instant, il y a un gang. Bah, je sais pas, je suis pas là. Pour l'instant, on a un gang et le Yellow Jack qui participe. Donc. Parce que oui, les entreprises, c'est ça. Je crois qu'il y en a, il y en a 10 au sud, 10 au nord, un truc comme ça. Faut pas que j'oublie ce soir de faire en sorte de pas prendre les bouchons. Après, si tu retires le BCES. Ah non, mais on est d'accord, Jackel. Mais si tu veux, les gangs s'inscrivent aussi. Après, si tu retires les 3 trucs de police, les 2 trucs de médecine. Tu vois, ça fait déjà rien que en légal, ça te fait déjà. Ça te fait déjà 35 quoi. Pour la manchette Si je me trompe pas. Moi j'ai quelqu'un tout à l'heure qui m'a appelé. Qui m'a demandé si on recrutait. Ouais. Je lui dis, c'est très sélectif. Parce que tu vois, ça fait. Toc toc toc, est-ce qu'on a le SHP, l'SPD, l'SES, ah oui, il y a la mairie, allez mettons, on retire 3 équipes au sud, sur 12, donc ça fait quand même 9, et au sud, et au nord pardon, au nord il y en a 10, et on retire 2. Donc tu vois, ça fait déjà 17 équipes qui pourraient être là, il y a 8 places, c'est compliqué. Et t'es en forme. Monsieur Chemes Vass. Voilà, il m'a demandé, je lui ai dit c'est très sélectif. Donc voilà. Oh, voilà. C'était potentiellement un ancien procureur qui ancien Guilin, ancien BCES. Mais BCES, il n'est pas resté longtemps. Moi ? Non, pas moi. Donc tu vois, il n'y a que 8 places. Et après, tu comptes. Donc on a dit 17.
tu comptes 6 gros gangs et 6 petits gangs environ, je crois. Donc 12 trucs, enfin 12 groupes potentiels, sans compter les groupes d'amis, etc., qui pourraient se rajouter. Donc, sur le principe, il peut y avoir beaucoup de monde. Après, déjà, C'est quand, du coup? Ouais, bon après-midi. Voilà. Si tu comptes, voilà, après, on doit être 80 sur site. 4 équipes de 8, ça fait déjà 32 personnes. Il y a un moment, c'est compliqué. Parce que, mettons, de la fondation, on est une dizaine. Tu prends les médecins, ils vont être 3-4, peut-être. Tu prends les équipes, bah, tu as 32. Ça fait déjà 40 personnes juste pour l'événement lui-même, et sans compter les spectateurs. Et si tu prends les spectateurs, généralement, t'auras bien 20-30 personnes, donc ça va faire vite du monde, hein. J'ai dit 10-24 ou pas? Oui, je crois que j'ai dit 10-24. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, ce genre de choses. Allez, salut Ginette. Oui, normalement je dois, oui. Alors, Zombicar. Tac, 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 yellow, non. Je voulais mettre... Darnell. Après, je le fais pas par flemme, hein, tout simplement. Mais bon, c'est possible que ça me joue des tours un jour, hein. Il faudra assumer. J'ai envie de mettre de la musique, mais je sais qu'elle sera strike. C'est ça le pire. Donc je peux pas. Parce que j'ai une petite musique de Bakermat dans la tête. Oui,
que j'ai plus rien à vendre. Ah mais d'accord, oui, si je me plante de bouton. Oui, je crois que tu peux, enfin, tu peux en faisant des scènes différentes, etc. Mais là, le problème, c'est qu'il faut pas qu'en fait, le problème, c'est que si moi je mets de la musique, il faut que, en fait, moi je l'entende, mais pas vous. Ce qui, voilà, c'est en gros, parce que là, enfin, il faut que je me fasse une scène où moi je peux avoir de la musique et pas vous, et que je puisse vous mettre de la musique. Et... Si, si, il y a une solution? Ah, il me semble que oui, mais après c'est au niveau des, c'est pas au niveau des sources. Oui, pourquoi pas à l'occasion. Hein. Après, je sais qu'on peut le faire aussi. J'avais discuté avec Jolitis qui joue Holden. Il m'avait mis aussi avec Voice Meter où je peux régler mes sons, etc. Et faire que certains trucs, enfin certains sons ne soient que pour moi ou pour vous, etc. Il y a un truc comme ça. OBS, OBS. Parce que normalement... c'est au niveau de la capture audio ou un truc comme ça, non? Il n'y a pas un truc comme ça? C'est au niveau, ouais, c'est ça, je crois que c'est au niveau de la capture audio. Et après, faut dans les options, je mette. Enfin, tu veux dire, je peux mettre aussi sur l'audio du bureau d'ailleurs. Mais c'est mieux de séparer les trucs de musique de. Putain, elle est dégueulasse, sa gestère. Il aurait pu la nettoyer, quoi. Ça fait pas classe, hein, ce qu'il a fait. Et lui, même sa photo, elle est pas classe. Après, je pense que ça, enfin, je pourrais le regarder directement là. Mais je sais pas si ça va prendre en compte la modification pendant que je suis en live. Faudrait que je regarde. Mais ouais, il faudrait que je mette la musique sur une autre piste que sur ce qui me permet de capturer le jeu. Donc. Si je fais ça, on va prendre le téléphone. Hop, si je me mets là. Sur, hop là, l'audio du bureau. Je crois que c'est au niveau des propriétés. Non, ça c'est. Ok. Non, c'est pas ça. C'est au niveau des. Peut-être des filtres. Non plus, c'est pas ça. Propriétés audio avancées. Monitoring. Et je crois que c'est faut activer le, faut désactiver, faut jouer sur le monitoring. Donc il n'y a pas un truc comme ça. Oui, monitoring uniquement, couper la sortie. Ça doit être ça. Ah quoique, peut-être pas. Monitoring est sorti. Ouais. De mémoire non. Ah, faut que je regarde. Mais oui, je sais qu'il y a un truc que j'ai déjà vu faire justement et pour que bah, ça tilte pas sur Twitch ou quoi que ce soit quoi.
Oui, ça peut se tester, oui. Pas de soucis, Greenoran, pas de soucis. S'appelle comment cette chanson de Baker Matt? Au pire, pour que vous l'écoutiez, je vais vous la mettre sur le. Je vais vous la mettre sur le Discord. En plus, j'adore le clip, il est magnifique. Je crois que c'est Learn Toulouse, je sais pas, je. C'est peut-être pas ça. Si, c'est ça, je crois que c'est bien Learn Toulouse. Yeah, c'est ça. Ah, j'ai fini de. Mince. Tac. Et je me prends des portes. Voilà, je vais vous le mettre sur le Discord. Si je m'étouffe pas en passant. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de mettre à jour? Ah, il y a Father's Frontier qui est en mise à jour. D'accord. Alors. Voilà, on va pas en mettre plus. Hop là, et je vous le mets sur le Discord. Ah ben oui, mais j'ai pas allumé le Discord. Forcément. Enfin, pas ici en tout cas. Oh, mais je suis con, j'aurais pu le faire sur l'autre. Putain, je suis pas aidé comme gamin. On va faire comme ça. Puisse pas me sauver. Ouais, je sais bien, ouais, je me doute bien. Hop là. Allez, je vous la mets. Je vous la sers tranquillement en petit service. La playlist musique. Voilà. Et vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, c'est assez funky. J'ai voulu essayer CK3 à sa sortie et je trouve vraiment l'interface de l'époque nulle. Ah bah ça pique un petit peu, hein. Il y a des... Tu veux dire CK2 plutôt, non? Plutôt que CK3. Parce que t'as vu l'interface de CK2 au tout début? Non, CK3. Ah t'as vu celui de CK2? Les toutes premières versions de CK2, ça c'est à côté. Moi j'ai joué à la bêta du jeu CK2. Ça, non, ça pique, hein. T'as pas envie de retester? Bah, c'est bizarre, je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi. Parce que t'avais encore moins d'infos que maintenant.
Il y avait des choses. Ouais. Je crois que les tout débuts de CK2, il y en a un qui a réussi à faire vivre un perso sans avoir l'immortalité, hein, qui a fait vivre un perso 160 ans, un truc comme ça. Rien que l'écran des batailles de CK3 à la sortie, j'y comprends. Ah bah ouais, il y avait des trucs là, il y avait du niveau. J'ai réussi à être dans une faction d'indépendance sans le vouloir à la place de la tyrannie. Ah, il y a des trucs qui piquent, hein. Après, ouais, non, maintenant, il faudrait retirer à la rigueur Friends and Foes. Tu peux le retirer si jamais tu vois que ça te gave trop les amitiés et que ça te fait trop perdre de stress. Parce qu'actuellement, le plus difficile, c'est de gérer le stress, en fait. Tu peux tellement tuer un personnage. Enfin, si jamais t'as pas les bons traits, tuer un personnage avec le stress tellement rapidement. Ah, et pour ceux qui sont sur le stream, enfin, j'ai demandé pour avoir des emotes. Je suis en relation avec quelqu'un là actuellement. Bon, il a d'autres priorités pour l'instant, mais il devrait pouvoir me faire au moins 3-4 emotes. Faut que j'en discute avec lui. Bonjour. Eh, bonjour! Ah bah, c'est compliqué, hein. Après, faut pas. Enfin, c'est ce que je reproche à beaucoup de joueurs, c'est de dire ouais, le jeu est nul alors que bon, bah, il vient juste d'être release et des fois, bon, c'est sûr que enfin, ils peuvent faire du travail bien meilleur, etc. Mais c'est. Enfin, faut pas s'attendre à des miracles non plus, quoi. Ah, vous avez passé votre camion? Je l'ai mis à réparer. Ah oui, vous videz J'en juste les profite. poches. Ouais, c'est ça. Ah, je me disais, il est passé où le camion? Je comprenais pas. Et oui. C'est le camion qui est à côté de la boutique de vêtements? Ouais, c'est la commande de la ferme. D'accord. Et ouais. Parce qu'on n'a pas de tête. On a des jambes. Ça, enfin, pour le coup, on a un camion, mais. Ouais, mais ça marche aussi. Parce que j'avais oublié, je partais en supérette pour vendre et j'ai oublié de prendre sur moi. Sauf que je l'ai sorti du stock. Donc du Ah, coup, ben, faut le vendre quand même. je viens le vendre maintenant. Mais au moins, c'est fait. Et bonjour, c'est groupe 6. Et bonjour. Ouais, bonjour. Et bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Eh bien, écoutez, ça va tranquillement. On fait aller. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Los Santos, quoi. Eh bien, je viens d'entendre l'alarme de la prison se mettre en route là. Ah, Et plaisir. plein de véhicules qui sont partis là-bas. Ah. Alors, faites attention à vous, alors. Oui. Et vous Là, aussi. bon après-midi à vous. Ouais, merci, bon après-midi, bon Eh bien, courage. bon courage. Après, il n'y a pas non plus des grosses, grosses différences de mécanique, mais...
Il tourne ou il tourne pas ce camion? Oui, il a fallu apprendre certaines mécaniques, mais bon, c'était pas non plus. Juste regarder l'état de mes sups. C'est un bordel, mes onglets. Seize, 5067. Non mais attendez, il n'y a pas quelqu'un qui a prévu de faire ses supplas? Non, je pense que ça va être. Ou à la rigueur, à ton montage, je rajouterai peut-être quelque chose derrière, mais pour donner mes impressions sur la série, mais ça va être à peu près tout. Hey, c'est pas beau ça? Un briquet en parfait état? On y croit ça? Prenez des screens, hein? Vous le verrez pas souvent, hein? J'ai pas abîmé le briquet. Il revient comme neuf. Là, ça va être quoi? Ça va être 17h. Ouais, j'en ferai une un peu plus tard. Juste se mettre. Tac. Tout dépend si t'as joué à CK2 ou pas avant, à ce bureau. Je pense qu'il y a un peu de ça. Tu es capable. Heureux. De grandes choses. Heureux. Capable. Réaliser des duels. Ah ouais, on est toujours dans là dans ta les chansons chambre, en fait. regarde ton... Ah là, tu la connais beaucoup trop, c'est grave. Une petite répa. Oui, s'il vous plaît. Ah bah c'est parti. Ça va bien? Ah ouais, toi? Mais ça va? Mais ça va? Alors, on va voir comment qui se porte le bébé. Mal.
Oh. Très très mal. Des poteaux qui traversent encore? Ils tombent en lambeaux. Oh, quand même. Oh non, il est nickel. C'est une catastrophe. Il faut l'euthanasier. C'est terminé. On t'aimait bien, petit camion. Ah, je peux faire des miracles, je suis sûr que je peux le sauver. Ah bon? Il fallait bouche à bouche avec le camion. Quand même pas, mais je vais utiliser mes outils pour réparer, c'est déjà bien. Et voilà, comme ça il sera beau comme un sous neuf. Nickel. Comme s'il venait juste d'être acheté. Bah ouais. J'ai de l'acheter là. Ah ouais? Bah ouais ouais. C'est pour ça qu'il avait un peu de dégâts dessus? Bah quoi? Il avait un peu de dégâts. Oui, oui, c'était une occasion. Ouais. Ouais. Voilà, maintenant c'est tout bon. C'est tout bon, bah, merci beaucoup. Bah un plaisir. Et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Ah merde, si j'ouvre pas, je peux pas rentrer. Hey, bonjour. Bonjour. Non mais Geoffrey, reste pas là. Là c'est la porte qui se ferme ici. Geoffrey. T'as dit, c'est pas qu'est-ce là qu'il faut que tu te mettes. Reste pas là. Pourquoi tu pleures? Mais non, je discute avec Geoffrey. Mais d'accord. Regarde, il s'est mis en travers de la porte. Bah, il est bien là. Tu peux le pousser si tu veux. Ah ben quand même. Allez, hey, enlève-toi de là. Tu es sur le côté tranquillou. Allô. Oh, la gesture classique du Weasel Auto, elle est sale. Oui. Un trigger fort, surtout pour une gesture classique. C'est dégueulasse. En plus, elle est dans un garage, quoi. Genre, moi aussi, ça m'a trigger. Bah, attendez, c'est... à voir John, puis ça sort. J'ai cru que c'était Chaco. Finalement, c'était Dylan, notre troll 7. Je n'ai pas du tout reconnu qui c'était. C'est pas grave. Je comprends pas comment on peut s'amuser à vendre un véhicule quand il crade comme ça. Par flemme, c'est plus de la flemme là, c'est le niveau au-dessus. Bon, hein. Oh, écoute, hein. Non, j'ai pas joué à CK1, j'ai joué à la bêta de CK2. CK2, enfin, j'ai joué avant qu'il soit sur Steam. Au lieu de prendre la jugulaire, j'aurais pu prendre la Omnis en fait ce matin. J'ai joué à CK2 avant qu'il soit sur Steam. Mais Je voulais faire ça, je vais changer de voiture. Ouais. Oui. Donc là, actuellement, Steam m'annonce 1300 heures de CK2, mais seulement sur Steam. Et je crois que quand j'ai fait le transfert du launcher Paradox au launcher Steam, j'étais déjà à plus de 900 heures. Donc ouais, je dois avoir 2500, peut-être environ 2500 heures sur CK2. Et sur CK3, j'en sais rien. Combien que j'ai d'heures sur CK3?
c'est souvent eux. Non, mais en plus, t'as raison. Ah, j'ai 600 heures sur CK3. Ah, quand même. Ah, peut-être plus, j'en sais rien, ce Smuro. Il me semblait que j'étais à plus de 900 heures, mais après te dire est-ce que j'étais à plus de 1000 heures, etc., j'en sais rien. J'ai tellement fait de parties sur CK2 que je sais plus. On me pose des questions. Hein. Mais j'ai hâte de mettre des trucs un peu comme eux, hein, mais sauf que bah moi j'ai froid quoi. Bah ouais. Mais j'ai hâte de pouvoir faire la transition là et me balader avec mon petit short de vieux et mes bretelles là. Let's go. Un peu trop je m'habille comme ça quand je prends la Trax. Mais tu sais même ma tenue avec la salopette là où on dirait un gamin. Ouais. Genre quand je suis dans la Trax c'est trop marrant parce que quand je vais vers la Trax et que je me mets devant, ou que je me pose dessus, tu vois. On dirait juste un poseur, tu vois, qui est là pour genre se faire mousser en faisant une photo, mais à aucun moment tu dis que ta voiture est derrière moi, c'est pas trop... Non, mais t'imagines, le lundi, Isaac va payer les contrats en Trax en salopette. Tu vois la J'étais Trax pas qui... en Trax pour aller payer les contrats. Tu vois, la Trax... quoi tu vois la Trax qui débarque, tu sais, hop. Et là, je suis en train de me rendre compte que faire la différence entre Joris et Sven... Je crois que j'étais en DCF en vrai. Je sais pas si je vais la garder la DCF en vrai de vrai. De la tort pas beaucoup. Et j'ai un peu la flemme de la foule. Même si je l'aime beaucoup parce que c'est notre voiture, t'as vu. Mais. Bah ouais. Wouah putain, il la vend pour une bouchée de sa gestion classique. Bon, elle est stock, mais 35 000, c'est pas cher. Ben, le problème, c'est que... Moi, en fait, je sais qu'il y a une partie de mes heures qui était comptée sur... J'aime trop la description du rapport Rocket. Qui était faite... A appartenu au grand Tyler, n'a jamais procuré de coma jusqu'alors. Attends, j'aurais presque pu dire pareil de la Chimera. C'est savoir exactement combien d'heures j'ai passé quand j'étais sur le launcher... Ouais, il est passé de 100 000 à 100 000 négociables, donc je pense qu'il a eu zéro appel pour la dernière fois. Donc, j'aimerais bien que Connor il me prenne la cheetah, comme ça je lui envoie un petit 80 000 pour le rampant. Tu vas vraiment prendre le rampant? Évidemment, je vais prendre un rampant. Oui. J'en ai pas pris juste parce qu'il y avait la neige. Incroyable. Et que Karine m'avait interdit de le prendre tant qu'il y avait de la neige parce qu'elle voulait pas que je me tue avec. Un peu le comble, hein, pour le coup. Ouais. Mais ouais, j'ai régulièrement essayé le sien à l'époque et la conduite me faisait grave gonnerie. Hein. Du moment que t'as pas à faire de manœuvre en marche arrière, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, c'est un enfer, il faut que tu le tires avec tes petites jambes là, tout en étant assis, c'est terrible. RE. Du coup, tu forces comme un bœuf là. Comme c'est dégueulasse un rampant. Ça c'est dégueulasse. En vrai, je suis chaud pour aller faire des gros là. Ah ouais? Ouais, il manque 300, je prends une mule et comme ça au moins on est tranquille. Bah si tu veux. Hein. Moi je suis. Est-ce que quelqu'un veut venir avec chaud, moi? Ouais, je veux bien moi pour voir. Ouais. Eh ben, on y va ensemble, Rico, si tu veux, comme ça on va plus vite. Ça marche. Eh ben, y a pas de souci. À tout à l'heure. À tout. T'as jamais vu qui c'est ça? Non. J'ai vu à peu près sur la carte où c'était pour aller. Bah, on va faire ça ensemble, y a pas de souci. Tu peux vider tes poches.
On n'a pas besoin de kit du tout. Donc, on va partir les poches vides. Faut juste que je reprenne un peu de nourriture, tout ça. Mais sinon... Moi, j'ai un 2-4, ça suffit largement. J'ai juste un 2-0. Ouais. Prends peut-être un 2-4, comme ça au moins t'es sécure. Ouais, je pense que ça va être préférable. Je reviens. Je suis là. Ah, nickel. Et bah, alors. Oula, ça va? Ouais, j'ai bien glissé, mais tout va bien. Alors, attends, on va aller par là-bas, comme ça on va pas déranger Mélina. J'ai la tête dure. Pas de soucis. Alors, je sais pas si on t'a expliqué par rapport au quota de kit. Y a pas de quota, hein, t'inquiète pas, c'est par rapport aux quantités qu'on produit en fonction des véhicules que tu prends. Soit tu pars avec un briquet, soit tu pars avec un briquet, soit tu pars avec une mule. À savoir que une pièce détachée, enfin une pièce détachée, un kit auto qu'on va faire, c'est 1 kilo. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est pas léger quoi. Voilà, si tu prends un briquet, bah tu auras que 400 pièces auto. Si tu prends une mule, tu as 600 pièces auto. Savoir que deux pièces auto produit un kit. Un briquet, c'est pas 350 plutôt? Non, c'est 400 un briquet. Parce qu'on fait 200 kits avec un briquet. C'est 400 kilos un briquet. D'accord, ok. Donc là, par rapport au quota, alors je pense qu'on a dû te dire qu'il fallait se fier plutôt aux couleurs. Moi, je me fie surtout par rapport aux capacités des mules ou des brickades. D'accord. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, Kikaro, il en manque 318. Mm-hmm. Je sais qu'une mule peut transporter 300 Kikaro. D'accord. Oui, comme tu ça, au moins, on sera vite à la limite et puis ça laisse le temps, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller au champ de récolte de pièces auto. Mm-hmm. On va remplir la mule à fond. Donc 600 kilos de pièces. Oui. Et après, on ira sur le lieu de la transfo pour convertir ça en kit carreau. D'accord. Voilà. Moi, je regarde pas forcément par rapport aux couleurs, comme je t'ai dit, je regarde vraiment par rapport à ce qui est produisible ou produisable. Produisable, hein. Productible. Peut-être mieux. Oui, parce que c'est production, donc productible. ce qui est, ouais, productible par rapport aux capacités des coffres. C'est tout. Donc là, on va prendre une mule et on va aller directement sur le champ de... Ça marche. Mule, hop. Je t'en prie. Allez, c'est parti. Donc en fait, tu as toujours deux étapes. Dans la production de kits, tu as d'abord la casse auto pour récupérer les pièces. Ouais. Et après, soit tu vas au nord à Beto en face du BCES pour faire des kits moteurs, soit tu vas en face du bowling au sud pour faire des kits carreaux. D'accord. Les kits contrôle sont achetés, non? Oui, les kits contrôle sont achetés, de même que les kits vidange et les kits aux pneus. Et du coup, les kits d'ouverture, mais ça, c'est très rare. Oui. À savoir qu'on peut également acheter des kits moteurs et des kits gros, mais c'est beaucoup moins rentable pour la boîte. Donc c'est pour ça qu'on les fabrique nous-mêmes. Ouais, en même temps, on commence à avoir de l'expérience là-dedans. Donc. Exactement. Donc là, on va aller à la casse automobile. Hop. Donc on a plutôt l'avantage par rapport au bénis que nous notre casse, enfin la casse elle est, juste elle à côté, est ici. Quoi. Parce qu'il faut savoir que la casse auto et les transfo sont communes en fait aux bénis et aux zombicars. D'accord.
Donc c'est pas rare que tu vois des gars du Béniz sur les champs. Ouais, là, c'est pour tu ça vois... qu'il faut leur balancer des clés et tout ça pour qu'ils dégagent, quoi. Non, non. C'est... Non. Dégagez là, c'est chez nous ici. Ah mais oui, mais si j'enlève pas ma ceinture, c'est sûr pour sortir, c'est plus compliqué. Donc là, tu te mets de sorte à ce que tu puisses ouvrir le coffre de la mule. Et c'est parti, on récolte. Hop. Là, tu cherches pas, on blinde. Hein. Et là, le but du jeu, c'est de ne pas être un père dans les poches à la fin. Ouais, bah, comme à la mine, quoi. C'est ça. Du coup, sur le dispatch, je t'ai mis en pièce auto avec moi. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait faire changement. Oh, t'inquiète, je suis tellement maniaque du dispatch. Mais même pas à t'en soucier. Ça veut pas faire de transfert, moi. Transfert de tes poches à ton coffre. Oui, non. c'est en fait, l'erreur, elle se trouve entre le sol et l'outil de soudure. Ah, ok. Au final, en fait, ça se fait quoi? Ça se fait tous les 2-3 jours Non. Même non, pas. Non, non. On y va minimum une fois par jour, mais en fait, ça attend, en fait. Souvent, t'as les gens qui aillent la nuit qui vont les faire. D'accord. Parce que ça prend un temps, tu vois, surtout quand t'es tout seul. Sinon, t'as l'équipe du matin. Là, cet après-midi, tu vois, là, j'étais motivée, je me suis dit, allez, j'y vais. Ça me dérange pas d'en faire. T'es en fonction du besoin. Là, tu vois, par exemple, c'était pas forcément nécessaire d'aller les faire, les kits, mais. On était assez envie. Nombreux, quoi. Aussi. Voilà, j'avais envie, donc. Et au moins, ça me permet de te montrer tranquillement derrière aussi, quoi. Et après, on se remplit les poches aussi derrière ou pas? Ouais! Ouais. On va se remplir les poches aussi. C'est pour ça que le but du jeu, c'est de ne pas être un père dans les poches. Mais je sais plus où que. Si, il y en a un, il y a eu quelqu'un qui avait ramené une pièce auto la dernière fois que j'avais vu. Oui, bah ça, c'est... moi je l'appelle le vilain petit canard. Parce que personne n'en veut de la pièce. Bah, si tu sais que t'es en impair et que si tu peux après avoir mangé ou avoir bu faire une place de plus, ça peut toujours être utile, quoi. Oui, mais après il faut pas oublier que les pièces auto font 1 kilo, hein. Donc c'est compliqué à s'en débarrasser. Faut bien manger, c'est tout. Non, ça marche pas comme ça. Moi je suis pas comme ça, mais après c'est chacun sa méthode de travail. Après, rien ne t'empêche d'y aller tout seul, hein, si t'as envie, hein. Y a pas de problème. Hein. Oui. Là, on est deux parce surtout. qu'on s'est motivé à deux, quoi, tu vois. Mais après, si tu veux y aller tout seul, y a aucun problème. Hein. C'est surtout que c'est un tableau que je regarde pas souvent. Enfin, je pense à regarder plus souvent, quoi, surtout ça. Ah oui, hein. Faut pas hésiter. Hein. On a presque fini. Et voilà, là maintenant on se remplit les poches. C'est ça aussi l'avantage d'être à deux, c'est que si jamais il y a un vilain petit canard, c'est plus facile de corriger ça, tu vois. Bien sûr. T'as combien? Ah, il m'en manque 6. Il m'en faut juste 6. Putain, je suis un père. Fais chier.
Mais il veut pas me donner mon 6. T'as combien là dans les poches? Ah, si j'ouvrais mes poches, c'était bien, ça serait bien. Je suis juste à 30. Non, il manque 6. Si je peux avoir les 6. T'en as combien? J'ai 30. Là, t'as 30 pièces. Ouais, j'essaye d'en mettre 6 dans ma poche. Si ça veut bien. T'en as besoin de 6? Ouais. Mais il veut pas. J'arrive pas à en découper juste 6 ou 5 à la rigueur, mais. Tu peux pas en avoir 6. Ah, bon bah attends. Tu peux en avoir 5, mais t'es impair du coup. Attends, je vais essayer d'en récupérer moi, d'accord? Mmh. Parce que c'est quoi le minimum qu'on peut récupérer? 6, je crois. Mais pas, il est chiant. Ah putain, je suis père et c'est toi qui te retrouves un père du coup. Bon bah c'est pas grave, on aura un petit sinon on peut récupérer celui qui est au zombie s'il y est toujours. Il y est pas, j'ai regardé. Ah bah zut. C'est pas grave, on le ramènera et il servira pour une prochaine transfo. Ouais, ça marche. Et bah du coup on va sur les Kikaro, c'est parti. C'est parti. Hop. Là, on va aller en face du bowling. Normalement, tu le vois sur la carte. Hein. Ouais, j'avais vu, c'était pas loin de Darnell de mémoire. C'est ça. Hop là. Oui, après, elle m'a donné 5, ça lui permettait de pouvoir récupérer 6 ou 7, et malheureusement, elle en a récupéré 6 exact. Moi, il m'en fallait aussi 6 exact, mais j'ai pas réussi à récupérer, donc... compliqué. Ah, je sais plus si je l'ai annoncé, mais je serai pas là jeudi, vendredi, la semaine prochaine. Alors, tu m'avais dit que tu ne serais pas là quelques jours la semaine prochaine, mais je ne savais pas lesquels, donc... Non, moi, c'est jeudi. Bah, c'est dommage, parce que c'est les deux jours où je suis le plus présente. Ah, mais là... Pas grave, hein, t'as pas le choix. Hein. C'est ça. Je serai peut-être là dimanche, mais c'est pas sûr non plus. Bah, si tu peux pas être là, tu peux pas être là. Hein. Y a pas de souci, hein. C'est comme t'as dit Mike, hein, c'est une question de présence. Hein. Oui, c'est une question de tu fais ton taf, point. Hein. Puis c'est au moins de prévenir, c'est surtout ça. Ah oui, ça c'est important par contre, parce que si on sait pas ce que tu deviens, c'est vrai que c'est compliqué derrière, quoi. J'attends juste une confirmation lundi, mais normalement c'est sûr, c'est 3 jours là, je suis pas là. Ok. Tu vas faire quoi de beau? Des papiers. Aux Maldives comme Lia? Non. C'est pas tout à fait le même type d'événement. Elle va pas aux Maldives, hein. C'est juste elle essaie de se donner du courage parce qu'elle a des papiers aussi. Ah non, c'est pas des papiers, c'est plus joyeux que ça, mais. Ah, d'accord. C'est pas les. Ça serait, c'est les Maldives, ça serait sympa, ouais. Je dis pas non. Ouais? Enfin, j'aimerais trop aller en vacances à la plage là. Pouah, j'ai froid. Plus j'ai attrapé froid cette nuit, je me sens pas bien. Non, faut que j'aille faire un tour à Porto Rico, pas trop le choix. Ah ouais, ah oui, d'accord. Ok. Donc je pourrais voir les potes parce que ce sera déjà pas mal. Mais... Si tu veux un moyen mémotechnique pour la sortie, tu vas sur la sortie où il y a le petit chien. Bah en fait, moi, il suffit que je regarde ma carte et après, je sais directement me diriger. J'ai pas eu... J'utilise très très peu les... Sauf pour les subs, parce que, voilà, mais maintenant, même certaines subs, je m'y dirige comme ça, donc... Il suffit que je regarde ma carte et je sais à peu près où je me situe, ça me suffit. J'ai cet avantage-là. Bah, c'est bien, ça. Oui. Je sais qu'il m'a fallu un petit peu de temps, moi, avant de bien connaître... l'île, mais maintenant les zip des subs, je les connais cœur, je connais les tracés par cœur, voilà, c'est juste un coup à prendre. Donc du coup la transfo c'est là.
Bah bonjour la transfo. Voilà, donc du coup bah on va faire comme comme la récolte, on va se mettre proche du camion et on va commencer à transfo tout ça. Un peu comme à la Syrie en fait. Bah c'est parti. Moi je fais 10 par 10 en général. Oui, c'est ce que je me suis mis directement. Autant à la Syrie je faisais 50 par 50, mais voilà, c'est pas le même c'est pas le même délire là. Non, pas vraiment. Puis c'est quoi que la Syrie c'est bien aussi 1 kg pour le minerai, mais après et 1 kg pour l'acier transformé, mais c'est pas ouais. les mêmes poids de déplacement. Quoique c'est 600 kilos, c'est 500 kilos un camion de la Syrie, donc. Mais on peut pas transformer à côté du camion. Oui. Alors que là c'est plutôt un avantage. Ouais. Mais après tu vois, ça va relativement vite, surtout quand on est deux, tu vois, ça permet de faire passer un peu le temps. Je sais que moi j'aime bien aller en kit, tu vois, quand je me sens pas forcément bien. J'ai pas forcément envie de parler aux gens et tout, je me dis allez, je vais en kit et... Le temps d'une petite demi-heure, ça calme, tu vois. Ah, ça fait une petite pause. C'est ça. C'est ça qui est bien aussi avec le garage, c'est que tu peux faire un peu de tout, quoi. Si t'as envie de voir du monde, bah tu restes au garage, tu t'occupes des clients. Si t'as envie d'être un peu seul, bah tu vas faire des kits. Même tu vas en sup toute seule, voilà quoi, tu vois. Ah, et puis il faut supporter les animaux qu'il y a au garage. Hein. Les animaux, carrément. Ah bah ouais. Eh, j'en fais partie, hein, des animaux. Hein. Je me demande ce que je serais si j'étais un animal. Mike m'a dit que je serais une louve. Pourquoi pas? Bel animal en plus. Oui. Moi je pense que c'est plus un chat. C'est bien chat. Les chats c'est indépendant, c'est... T'es libre. C'est, oh c'est non, il pleut. C'est casse-pied aussi. À 3h du matin quand ça veut manger. Ou que ça veut sortir alors que c'est pas le moment. Ouais, je pense pas que je vais faire long feu aujourd'hui. Ah, beaucoup de fatigue. Moi, ouais, je suis fatiguée en ce moment. Faut que je me repose. C'est important le repos. Puis je me lève à 5h toute la semaine là, je... Compliqué. Je suis capoute. Non, bon, faut que je dorme aussi, mais... Faut y arriver, c'est le plus compliqué. Dis-moi, Kali. Dis-moi. Tout à l'heure, je vais aller voir si le gars du musée, là, il a bien mis le, oui. la panto dans son truc. Ouais. Ça te dirait de m'accompagner parce que je sens que ça va peut-être pas bien se passer. je sais ouais. pas pourquoi. Bah écoute, si je vais pas me coucher trop tôt, ouais, mais je tiens au courant, d'accord. Pas de souci. Sinon, je suis là demain si tu veux. Ouais, je veux pas y aller tout seul. Lily, elle m'a trop mis le doute et j'ai pas envie d'y aller tout seul. T'inquiète. Je suis sûr qu'elle a une jolie place dans le musée, mais je veux vérifier. Mais c'est dans quel musée déjà que tu l'as déposée?
Ah bah on s'est vu derrière le concessionnaire, alors Ah bah faudra peut-être du coup aller chez le concessionnaire pour lui demander. Ah ouais. Et là, c'est là qu'il nous apprend que la Panto, il en a fait des pièces détachées. Non, Ah, je pense au pire, désolé. non, 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 elle est dans un musée. Parle pas de malheur. Non. Je suis sûre qu'elle a une classe d'exception, oui. Heureusement, j'ai pris des photos, de toute façon, comme ça, je les vois tous les soirs. Eh bah, plus qu'à transformer nos poches et on est bon. Du coup, au moins c'est bien, on aura fait des kits. Non, je pense pas que ce soit utile qu'on aille au U-Tool parce qu'il manque 100 kits de contrôle et ça se fait large. Bah, de toute façon, si ça se fait avec un briquet, ouais, c'est bien suffisant. Ah oui, non, mais les kits de contrôle sont pas lourds en soi en fait. C'est C'est juste que quoi? là, C'est oui. 200 grammes, 400 grammes, même pas? C'est pas beaucoup, et puis même là, de toute façon, il en manque que 100, c'est pas utile qu'on y aille. Donc là, on va rentrer directement au garage. Ça marche. Plein de plein tech, comme ça au moins c'est plus pratique Ah, pour pour décharger. décharger. Ouais. Bah, je vais regarder. Moi je peux en prendre 35. Je crois que je vais être sur le même nombre. Même pas. Allez, fais un effort. Voilà. Ouais, c'est parti. T'es déjà allé au bowling ou pas du tout? Ouais, mais il y a hyper longtemps, je crois, quand il a ouvert. Et ça m'avait pas trop. Il y avait une époque où je faisais beaucoup de golf, par contre. Ah, j'ai essayé le billard, mais Un billard, c'est ça foire un peu, hein. ouais. Les souvent ils ont pas réparé les bandes, alors pour jouer c'est pas Ouais. super top. C'est vrai. Non, je l'ai pas changé. J'ai surtout fait du golf. Il y avait une période où j'en faisais énormément et là ça fait très longtemps que j'en ai pas joué. Oh, j'en ai pas fait encore. Moi, je sais pas ce que ça donne non plus. Il y avait une époque où j'allais beaucoup au casino aussi, quand il l'avait ouvert. Mais là j'y vais vraiment de temps en temps pour tourner la roue, pour faire un peu de blackjack, mais Moi, le sans casino, plus je le quoi. regarde. La dernière fois que j'y suis allé, bah, c'était pour le team building. Ouais. Bon, bah, j'ai perdu, hein. Ah, bah moi la dernière fois que j'y suis allée, c'était quand? C'était avec Connor et Lily, et je crois que c'était lundi, je crois. Et ouais, j'ai joué. J'ai gagné 25 000 balles. J'ai fait bon, bah je vais m'arrêter là, hein. C'est Oui, bien. non, c'est préférable, oui. Je joue tellement peu souvent que le peu de fois que je joue, je gagne. Donc Ah, moi, j'avais pas compris. Alors, j'avais juste 200 jetons. J'ai essayé le blackjack. Alors, moi, je me débrouille pas trop mal. Et j'avais pas compris pour les mises. Donc, j'ai mis 2 x 100. Bah, 2 fois râpé, hein, merci. Ah bah oui. Ah oui. Effectivement. Donc, je vais attendre d'avoir ce qu'il faut en banque. Voilà, je sache vraiment pas quoi en faire. Et je rejouerai peut-être. Parce que sinon, je pense que le compte en banque, il va y passer. Hein. Si j'ai pas beaucoup de chance au jeu, alors bon. Autant que moins j'y joue, mieux je me porte. Bah, peut-être que la chance va tourner, non? Oui, Mais quoi sûrement. que. 100% des gagnants ont joué, hein, donc.
passer par là. Et moi, 100% quand je joue, je perds. Donc, bon, c'est une statistique quand même. C'est autre, sûr hein. Que ça n'aide pas. Ah, pas vraiment. Tiens, c'est un gars G6 qui m'a dit tout à l'heure la prison a sonné. Faut qu'on fasse attention. Ah. D'accord. Parce que ça avait l'air pas mal tourné tout autour et j'y ai pas pensé quand je suis revenu au garage. D'accord. Ou dangereux la Panto. Ou suicidaire au choix. Laïa, Coty, Mélina. Allez, on va décharger tout ça. Mesdames et messieurs, le véhicule est arrivé à bon port. Les sorties de sécurité sont à droite et à gauche. Et recoucou, t'as bien? Et re. Et recoucou. Et re. Alors, 35. Hop. Que là ici sport a été fait, je m'en occupais. Allez. Sur les jeux d'argent, non, pas spécialement, non. Sur les jeux de cartes, je peux me débrouiller, mais sur les jeux de... Sur les jeux de chance, jamais. Jeux d'argent. Allez, salut. Salut. Ah, elle ne quitterait pas? Ouais. Je sais pas si elle a grand chose en vrai, mais... Bah, on va regarder. Ça fait quelques temps qu'elle n'a pas été réparée, donc ça vaut le coup. Ça va, vous deux? Merci Maro d'être passé, passe une... Et salut Kali. Passe une bonne après-midi, à tout à l'heure. Ou une bonne soirée si jamais tu ne repasses pas.
Ah, il y a un truc bizarre quand je suis descendu du Ça camion vient tout bien à marché. l'heure. Oui. Ouais, j'ai eu. La société Air Cali vous remercie pour votre visite sur notre transport de la mule du Zombicar. Merci et bon voyage. Ah ouais, c'est pas mal. Et merci Rico. Ah, un plaisir. Je vais me remettre dans les poches. Hop. Hey, bonjour. Et bonjour, oui. Il y a peut-être une barrière qui a traversé la route, je crois. Ah, ça c'est désagréable. Ah non, mais les Franchement. barrières qui traversent comme ça. Oh, je suis très mal garée, je suis désolée au Oui, passage. pas de soucis, pas de soucis. Je fais pas mieux, hein, donc c'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit. T'as des barrières qui traversent, non mais franchement, Non, ils sont mais on aura vraiment tout pas vu. sympas. Sauveur, hein, vous pouvez Ouais, moi ça. c'est les poteaux, alors bon. Ah non, moi là c'était une barrière, un coin de barrière, dans le coin de la tronche. Vraiment pas sympa. Faut en parler à la mairie Nord, hein, je suis sûr. Ah, c'est ça. Depuis le temps que je patiente depuis le fond du garage, j'entends qu'on rit, qu'on s'amuse au fond du couloir. Ouais, on a eu de la chance, on n'a pas eu les barrières. Voilà, garer tout pareil. Exactement, c'est comme ça qu'on se garde, non? Ouais, exactement. Mais écoutez, merci beaucoup. Plaisir. Bon courage, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Oh, bah du coup, il peut pas récupérer la voiture. Ouais. Yes. Bon, je vais vous abandonner. Je vais me reposer chez moi. Je vais pas revenir très honnêtement parce que je me lève tôt demain. Donc, Bah bon repos. je vous dis à demain. Bah, Des repose-toi bisous. bien. Bon courage à vous. Bon courage, Oui, des à demain. bisous. À demain et dispatch! We dispatch! Spatch. Spatch. Hey, bonjour. Très pas, s'il vous plaît. Avec plaisir.
Je suis à peu près sûr que là aussi il y a eu une barrière, vu le choc qu'il y a sur sur l'avant du véhicule ou un camion, il y a eu quelque chose. Hein. Super, merci beaucoup. J'ai dû redresser un peu la carrosserie, je crois qu'il y a eu une rencontre un peu fâcheuse. Ouais, il y a eu quelques rencontres avec quelques bites. Et je parle pas de celles dans le pantalon, je parle des celles qui sont jaunes. Ouais, compliqué, ouais. Ah, ça, c'était bien, bien marqué, un joli moulage, 10 ouais. sur 10 pour ouais, le moulage. Ouais, ça me... Ouais. Oh. Bon, allez, bonne journée à vous. Ouais, bonne, soirée. Bonne journée à vous aussi. Salut Sven. Et c'est Joris. Si, il y a une voiture. Ah, il y avait une voiture, ouais. Bah, sinon, c'est qu'il a trouvé d'autres voitures sur la route, mais il y en avait une en tout cas. Avoir besoin d'un coup de main. Bon, enfin, mais après entre lui et une autre personne, il y aura plus cassé. Ouais. Bon, il est parti faire du off-road avec un Mesa comme ça. T'as pas de puissance, ça. Hein. Faut pas faire du off-road avec. Faut être joueur. Ouais, toi. Ah, ça. Il était coincé où celui-là? Au mon chien. Ah putain, enfin. C'est juste que le client. Ouais. Les clients en essayant de monter dans l'hélico s'est ramassé, du coup j'ai dû attendre que le BCES intervienne pour moi ensuite m'occuper de la voiture. Ouais, Mélina nous a dit. C'est ça que ça me prend autant de temps. Ah, et plus jamais je veux remorquer cette merde, hein, vraiment. La Mesa ça paraît pas, mais c'est vraiment le pire truc que j'ai remarqué de ma vie. Petit truc comme ça, juste parce que j'y pense maintenant. Tout à l'heure que j'étais en sup juste en face, là, G6 m'a dit que la prison ça a sonné plusieurs fois. Et qu'apparemment il y avait beaucoup de monde tout autour. Donc faites attention, on sait jamais. Ouais, bon, de toute façon en général il se passe pas grand chose autour de la.
sait jamais. Hein. Disons que s'il se passe des trucs là-bas, on n'est pas concerné, quoi. C'est, si c'est pour faire sortir quelqu'un, bah, de toute façon... Oui, on pourra pas faire grand-chose. Voilà, et puis... Et puis voilà, quoi, ça reste un bâtiment fédéral, il y a des... Enfin, c'est surveillé, tout ça, donc en vrai, on n'a pas trop à s'inquiéter. Et en vrai, de vrai, il y a des fois où c'est juste des fausses alertes, ça sonne parce que ça sonne, pour... c'est tout. Mmh. Faut pas s'inquiéter autre mesure. Oh, mais je fais juste passer l'info, quoi. Des fois, ouais, quand t'as juste les va-et-vient, t'as l'alarme qui se déclenche avant qu'il puisse la couper, c'est force de l'ordre qui a déclenché, du coup. Mais ouais, parce qu'on dirait pas, là. Les machins, là, c'est plus la merde. Casser les couilles. Parce qu'en fait, c'est juste assez petit pour pouvoir se caler à la verticale et se coincer dans le câble. D'accord. Et sauf que, bah, du coup, une fois que c'est calé à la verticale, toi, ça te fait piquer du nez de fou. Genre, et du coup, c'est trop chiant. Et surtout, bah, ça, comme c'est léger, ça se balance bien. Donc, bah, régulièrement, tu piques du nez sans comprendre pourquoi, parce que t'as le truc qui vient de taper et qui te pousse... pousse vers l'avant, genre c'est un petit enfer, vraiment. Je suis content d'avoir atterri parce que ça commençait vraiment à me faire briller. C'était bien, bien chaud. Faut la réparer là. Ouais, on va la réparer, la foutre en gardiennage parce que du coup bah c'est un AVP. Ça l'était pas à la base. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, ça l'aurait serait forcément été. Parce que même si elle avait appelé les secours, si la personne avait appelé les secours pour être récupérée, elle aurait dû exactement faire le même trajet que là où moi je me suis posé, donc elle se serait probablement viandée tout pareil. Ouais. Donc, je sais que ça fait peur, mais dans ce genre de cas, le mieux c'est de pas y aller à tatillon et de juste y aller comme un bourrin en sautant, parce que t'as plus de chances de bien atterrir sur tes pieds en sautant ou en faisant ta roulade que de qu'autre chose. Alors que en faisant des petits pas par petits pas, bah du coup tu prends tellement de précautions que tu finis par glisser sur un truc à la con et puis bah tu descends gentiment. Ouais, bon, pour le coup tu me fais le truc de gardiennage et je complète avec le tarif et tout. Parce que toi ouais, t'as le nom de la personne et tout. J'ai rien du tout. Ah. La gardiennage avec un numéro de téléphone, c'est tout ce que c'est. Ah bah. 0196, j'ai pas en plus. Ouais, mais de toute façon la personne nous a appelé donc. Oui. Bon, bah pas de soucis, je vais voir ce qu'elle a déjà. Alors, mise à l'immatriculation. C'est parti. Mais c'est pas un vrai 4x4. En fait. Bah oui, ça a 4 roues motrices sur la fiche. Mais déjà, un, c'est des pneus slick là. Donc, c'était sûr que ça puait la merde. Ouais, en plus, c'est pas la bonne idée, ouais. Et de deux, la répartition des roues motrices, c'est genre 10% à l'avant, 90% à l'arrière. Ce n'est pas un 4 roues motrices, c'est juste pour faire joli sur le papier. Ouais, non, mais de toute façon, de manière générale, les SUV, pas, hein. Tu les prends pas pour faire du off-road. Non, le Contender est vendu en SUV alors que c'est plus qu'un 4x4, mais sinon... Qui trace dans le truc, c'est le Contender et le Sentinel Frontier. Et le Sentinel Frontier, c'est vrai qu'il est en SUV aussi. Et qui est aussi un SUV. Alors oui, c'est vrai que c'est un off-road de fou. Ça marche, bonne soirée. Il y a vraiment des perfs dégueulasses. On va pas se mentir, ça roule pas. Mais ça a un couple de ouf et du coup, ça grimpe tout. Donc ça grimpe pas vite, mais ça grimpe tout. Attends, ça là, pas besoin de ça grimpe vite. Enfin, ça va vite, mais ça grimpe rien. Ouais, alors ça va vite, faut le dire vite aussi, ouais, ça. Ouais. Enfin, ça va toujours plus vite que le Seminole, hein, mais bon, voilà quoi. Ouais. Non mais ça c'est un véhicule pour aller à c'est la Jeep pour aller à la plage, c'est pas une Jeep pour aller en montagne celle-là. C'est... Surtout la Jeep quand même. Même le Mesa 4x4 de toute façon tu veux pas l'envoyer en montagne, c'est ce qui pue la merde justement. Mais il va finir sur le toit, il va rester bloqué. Ah, le problème le Mesa 4x4 ça finit super vite, ça reste bien coincé sur le toit, ça, c'est une sauterelle, ça rebondit de fou, ça a quasiment pas d'équilibre donc au moindre virage un peu serré tu fais un tonneau.
Et comme, bah, en fait, c'est comme celui-là. C'est que la répartition du couple, elle est tout à l'arrière et rien à l'avant. Ce qui fait que bah, du coup, dès que tu prends un truc un peu pentu et que tu as les roues avant qui commencent à lever, bah, l'arrière il te pousse et tu fais juste un backflip. Quoi. C'est tout. Très pratique. Quoi. J'avais fait des sorties 4x4 avec des gens qui avaient des messes 4x4. Tu passes ton temps à les pousser pour les remettre sur leur poussé avec mon caracara pour qu'ils arrivent à monter. C'est terrible. Hein, c'est terrible. Il y en a pour combien du coup sur la facture, Echo? 385. Quoique j'ai peut-être pas compté le cargo Bob, donc il faut que je... T'inquiète, je l'ai rajouté moi, je sépare toujours les deux. C'est juste qu'en enregistrant, faut bien penser à mettre le cargo dedans. Oui, de toute façon, quand tu feras la facture, tu te réfères, enfin la personne qui la fera se référera au gardiennage, donc il pensera... Ouais, ça fait 1385 quoi. C'est ça. PNC336. Je pensais plus à l'enregistrement sur l'intra. Hop. C'est quoi? Je pensais plus à l'enregistrement sur l'intra vu que quand c'est du gardiennage, les gens ne refont pas. Ouais, ça fait 2 moteurs et 6 carreaux. Bon. Eh ben nickel. Ça faisait 15% moteur et... Ah bah, et pourquoi le pare-choc qui vient de se casser la gueule? Ça, c'est un problème de point Gérard, de vue. Ouais. C'est Gérard qui te le remettra, t'en merde pas. Ok. Parce que je l'ai vu tomber d'un coup. J'ai vraiment tombé comme une merde. Non mais, ça arrivera des fois, t'inquiète pas. Si tu vois ça sur un véhicule que t'as réparé au garage, tu proposes au client de le ranger vite fait dans le garage et de le ressortir. Ou sinon, ils le font eux. Ouais. Bon allez, moi je vous laisse. Ça marche. Bon, il s'en va déjà. Allez, bon week-end à toi aussi. T'es pas là déjà week-end, non, je pense pas. Je suis là depuis 14h. Hein. Non mais tu reviens pas ni ce soir ni dans le week-end, ok. Je pense pas, non, peut-être dans le week-end, mais ce soir non. Ah là là. Ah oui. Eh ben bon week-end. Bah, c'est vendredi. Hein. Chez Belote. Hein. Ouais, non mais c'est vrai que ce soir oui, mais après samedi dimanche. C'est pas encore, mais je pense pas. Que, bah, on vient de la récupérer, toi, je pouvais pas me barrer avec la caisse. Allez, je me tire. Mais le truc, c'est que bah, du coup, je pouvais rien faire parce qu'une fois que la caisse elle est chargée, tu peux plus te poser quoi. Et je pouvais pas rester 10 ans en stand-by sur le texte. Donc, j'ai trouvé un tout petit bout où je pouvais poser mon cul. Je me suis posé et j'ai attendu sagement que le PCS fasse son taf. Je vous laisse, bonne fin de journée. Bonne soirée, à plus. À plus. Elle est pas mal à centraliser. Et bonjour messieurs. Et bonjour. Et bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va bien. Ça va bien, quand même vendredi à 15h51. 17h51, voilà, j'ai eu 2 heures de décalage. Hein. Ouais, c'est l'avion ça. Donc ça c'est la volonté d'aller se reposer plus rapidement, je sais pas. Ou l'inverse, je sais pas, oui. Suivant dans quel sens c'est le décalage. Rapidement du coup, vu qu'il est allé en arrière. Oui. Vouloir faire plus de services encore? Eh ben. Ouais, pourtant aujourd'hui c'est déjà pas mal. Moi ça va aussi. Bah va falloir que je repasse aux zombies tout à l'heure. Normalement vous allez avoir ma voiture. Donc... Pardon, excusez-moi. Hop, c'est dommage pour nous. Merci. Ah bonjour. Et bonjour. Ah oui, j'ai besoin d'une réparation pour le pare-brise, s'il vous plaît. Ah, il y avait une petite prise au vent un peu trop importante là. Ah là. Normalement, c'est pour le moteur, hein. C'est pas pour le conducteur là, la prise au vent comme ça. Ah, vous inquiétez pas, je suis bien au courant. Malheureusement, des fois, quand il prend la voiture, il la ressort comme ça quoi. Ouais, c'est pas très agréable. Ouais. Allez, je vous répare ça. Avec plaisir, s'il te plaît.
poisson, hein, lui. Oui. Bon client. Et voilà. Ah, il n'y a pas de moteur, il n'y a vraiment que la carreau. Ça, il fera moins cher. C'est ça. Salut Marco, comment tu vas? Prochaine game de Coupe du Monde. Ouais, ça va, tranquillement. Ah, c'est déjà la Coupe du Monde de Civ. Oh, merde. Ouais, voilà. Bah, le moteur était nickel, hein, y a aucun problème. Ouais, c'est vraiment juste le pare-brise qui a pris. Ouais, c'est ça. Voilà, petite facturette. Hop, et voici pour vous. Merci bien. Et merci à vous. Et bah, profitez bien de votre joujou. Merci. Et puis, bah, bonne journée. Prochaine. Au revoir. Au revoir. Elles ont fait de beaux résultats, les équipes françaises, ou... Ou c'était pas plus que ça? Parce que c'est vrai que d'habitude, je suis bien... Oh, purée, j'ai oublié le prénom. Enfin, le pseudo. Merde. Lège. Je suis souvent en Lège, mais là, c'est vrai que... C'est pas... Ça fait un moment que je suis pas passé sur son stream. Je crois que la dernière fois, je crois que j'avais suivi, il était en match pour la Ligue FR, mais j'ai pas suivi plus. Ah, c'est quoi, une équipe russe et une équipe Inter qui sont en finale finale. Ah oui, trois équipes en quart, c'est plutôt pas mal. Il y avait quoi? Il y avait Ulysse. Non, c'est, si, il s'appelle toujours Ulysse ou pas, l'équipe de Lège? Je sais plus. Enfin, si Lège a réussi à se qualifier, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a... D'accord. Ouais, Ulysse. Il y avait qui? L'équipe de Malm. Si je me trompe pas, mais je sais plus quel est le nom de l'équipe de Malm. Et il y a passé un temps, il y avait... Vous avez encore pour... Enfin, c'est à quelle heure, du coup Ouais. 17h45, Scotty, et 18h moi, donc c'est bon. Deck. On va attendre l'île. Ah ouais. Je file un coup de main. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Ok. Coucou, revoilà. Et Rose, coucou Gwen. Revoilà. Du coup, il faut que je vous emmène, c'est ça? Ouais, je suis chaud. Mais ben, je vais venir avec vous. Si oui, ce oui, Rico du Zombie Car. Oui. C'est quel type de véhicule? C'est une moto. Juste une moto? Ok. Oui, une moto. Bon, et eh ben ça marche, j'arrive tout de suite. Eh ben nickel, merci beaucoup. Merci à toutes. C'est comment déjà l'équipe de Malm, où Malm est rentré chez Ulysse, mais il me semblait pas, mais... Il n'avait pas monté sa propre équipe, Malm? Après, je sais qu'il y avait deux autres équipes françaises qui tournaient bien. Mais je sais plus les noms aussi. Ah, oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas remis du Civ.
Et comme ils faisaient, enfin, passé, je sais que le mardi soir, ils faisaient leur équipe. Ouais, mais ils auront une game de retard. Après qu'ils gagnent une game de plus, ils vont, s'ils font ça, ils commenceront à 1-0 déjà. Ou 2-0, je sais plus. Mais Fréritos, je connais pas l'équipe. Enfin, je connais peut-être les joueurs qui sont dedans, mais... Non, Aspuro, c'est même que ça fait très, ça fait 5 mois, 5, ouais, bien 5 mois que je suis plus la scène Civ, donc et je la suivais surtout par Lège. Parfois, je suivais un peu Malm, mais ça fait, ouais, ça fait un moment que je suis plus trop où est-ce qu'ils en sont, donc forcément pour remettre un peu les équipes, c'est un peu compliqué. Puis bon, des fois la scène Civ 6, il y a des fois un peu des dramas un peu à la con. Donc des fois, moi les dramas, ça m'intéresse pas spécialement. J'aime voir jouer les équipes et jouer tactique, mais après le reste, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Ouais, bah oui, après, ouais, ça change d'équipe tous les 3 mois en fonction avec qui t'as joué, parce que tes partenaires te cassent les pieds, etc. Alors qu'au final, ils se cassent tous les pieds les uns les autres, quoi. Hop, c'est devant l'ambulance, la moto. Ça marche, merci. Et bonjour. Et bonjour. Alors, il me faudra le nom de la personne. Alors, c'est pour Madame Blade, B-L-A-D-E, Ali, A-2-L-I-E. Blade, A-2-L-I-E. Ok, ça marche. Il y a un numéro de téléphone, si on a besoin de la rappeler aussi, ou elle vous a pas donné. 60-27. 60-27, ok, je le note. Et puis, bah, on fera les réparations et on mettra le véhicule... En gardiennage, en oui. Gardiennage, oui. Ok, ça marche. Parce que pour l'instant, elle a été emmenée... Elle est dans l'ambulance là. D'accord. Bon. Bah, vous lui direz, suivant son état, de nous rappeler dès qu'elle pourra sortir. Oui, pas de souci. Ça marche. Allez, bon et courage. Je m'occupe de ça. Merci, bon après-midi à vous. Bien sûr. Non, c'est vrai que, bon, après, enfin, ce qui est gênant, en fait, je préfère presque regarder les matchs de Civ en rediffusion, parce que de temps à autre, ça me permet de sauter des moments où je trouve que c'est un peu plat, et bon, c'est normal, le jeu est lent, donc on est sur des parties, je crois que c'est 6 heures maxi, hein, une partie, hein, de mémoire, selon les règles, on est sur ce truc-là, hein. Si au bout de 6 heures, c'est au score, un truc comme ça. Ou ils ont changé cette règle-là, je sais plus. Je sais qu'il y a, une durée maxi pour éviter... Ah non, c'est 8 heures, ouais. Ouais, mais je sais qu'ils ont bloqué... Ah, c'est au nombre de tours.
Oh ouais mais bon. Ouais, si, ouais, bah, c'est pas non plus logique. Ils sont bloqués à quoi, à 300 tours? Bah quoi que 300 tours, tu me diras, c'est pas long. On est peut-être sur quoi? Sur du 500 tours? Déjà, 500 tours, il y a moyen de faire une belle partie. 130 max en Coupe du Monde? Ah, oui, c'est vrai que les nukes tour 100. Ah, mais oui, bah oui. Mais en... C'est vrai que oui, c'est en multi, donc. Enfin, c'est en équipe, donc. Forcément, si le. Si celui qui est en. En 6 vendu, il est bien aidé, ouais. Il peut. Enfin, si il a sa science et tout assez rapidement, il y a moyen de faire des trucs assez rapidement. Attends, on va faire comme ça, comme ça. Ouais, c'est pour du gardiennage. Ouais, AVP de la personne. Je te laisse t'en occuper, moi je vais m'occuper de la DEP. Ok, ça marche. Les gens ressortent les motos, mais ils s'en sortent pas mieux qu'avant. Ouais, mais bon. Là, en plus, c'est juste sur le point S. Alors, je pense que c'est au croisement que ça a dû rencontrer une voiture et que ça n'a pas dû bien aider. Ouais, ça se passe un peu n'importe comment, souvent là-bas en plus. Ouais. Donc là, j'ai dû mettre les gyros pour arriver à m'insérer tranquillement, donc c'était compliqué. Hein. Ouais. Ouais, mais en même temps, les gars, ils ont tellement poncé le jeu que ça peut être que des brutes, quoi. Ils ont tellement les astuces que... Ah, c'est une Akuma, ça. J'étais pas du tout sur la bonne voiture, sur la bonne moto. Akuma. 1, 2, 3, 4. On va lui compter un déplacement. Donc il faut deux moteurs, 5 carreaux. Merde, j'ai oublié de monter sur la moto, faut que je remonte sur la moto. Et encore, ils sont obligés de changer les méta assez régulièrement parce que mine de rien, le jeu est encore mis à jour et tout. Hein. Oui, non, mais ça existe depuis le début du jeu. C'est qu'avant, c'était un truc qui était plutôt secret, mais ça existe depuis le début de Civ 6. De ce qu'en disait Lège, il l'utilisait déjà. Il l'utilisait déjà au début du Civ. Donc le BO Discount, ça fait très longtemps que ça existe.
Ouais, c'est Potatoes, je crois, qu'il l'a fait. Donc, pour le prix. T'as d'avoir pas mal travaillé dessus. Ouais, il y avait du 15-45 pour le coup. Je pense Ok. qu'elle a pris un bon choc. Je lui compte. Ben moi, est-ce que je compte déplacement plus remorquage ou juste seulement déplacement? Tu mets remorquage. Juste remorquage. En fait, déplacement, c'est si tu te déplaces, mais qu'il n'y a pas de remorquage derrière. Genre, tu remets juste un véhicule sur ses roues. D'accord. Et tu mets remorquage dès que tu ramènes un véhicule au garage. D'accord. Bon, de toute façon, hop, faut que je mette le véhicule. Je vais m'occuper du Ça maintenance. marche. Kuma. Limote. Et on est d'accord, la moto, je la gare avec papa, junior et maman. Oui, quand c'est un jardinage, c'est là-bas. Ouais, ok, on est bien d'accord. Je suis à peu près sûr que c'est Potato qui a fait le. Qu'il a trouvé la partie de code parce qu'il a tellement démonté le jeu pour essayer de faire des. De voir des astuces, etc. Que il me semblait que c'était lui, mais après je me trompe peut-être. Hein. Après, de ce que j'avais écouté de Lège, il y a un an et demi, il disait déjà qu'il savait le reproduire, parce qu'il le faisait souvent. Après, ça a confirmé un peu plus, et là, forcément. Ah, tu sais comment on voit l'IMAT d'une moto, toi? Parce que j'ai pas réussi à la trouver, celle-là. Avec les clés. Si Bah. t'as, c'est une auto qui a pas de plaque, il faut que tu prennes les clés. Bah même en regardant, j'ai pas retrouvé les clés moi sur moi. Putain, Alors, ressors-la du garage, toi, tu reprendras les clés. D'accord, ok. J'aime bien l'immatriculation.
Et bonjour. Et bonjour. Bon, bah. Je vais pas, s'il vous plaît. Avec plaisir. Ah, ça commence. Ça commence, ça commence. Oh là là. La Ponto rose et bleu. Ah. Et voilà. Et voilà un véhicule flambant neuf. Et merci. Prêt à prendre la route. Alors, la petite facturette. Oui. La voici. Et voilà pour vous. Merci bien. Et merci beaucoup, passez une bonne journée. Bah vous aussi, prenez bien soin de votre votre bébé. Ah bah oui, bah j'essaye. Hop. Ah. Et nickel, passez une bonne journée. Merci à vous de même, au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Un petit repas s'il vous plaît. Ah bah c'est parti. C'est frappé, oui.
Waouh. Ça va tout le monde? Oui, ça va. Mais j'ai pas reculé la voiture. Non, mais la voiture elle a fait des dingueries quand on est descendu, j'ai eu peur. Moi je vous ai vu traverser la porte du garage, très sincèrement. Moi ça c'est normal. Ça, ça va. Ah bon, bah tout va bien là. Technique dommage noir. Je sais pas, moi je t'ai vu soulever la caisse carrément donc. Ouais. Et ouais. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais vous donner un ticket repas. Ouais, bien sûr. C'est ce que j'allais vous demander, si vous en aviez un ou pas. Ah bah voilà, nickel. Voilà, si. Eh ben merci bien. Merci à vous. Et ça fait longtemps que vous êtes sur l'île ou ça fait quoi? 3 jours. D'accord. Ah, moi je suis de la Fondation Colline, c'est pour ça que je vous pose la question. D'accord. Vous avez fait le tour des mairies? Ouais, puis j'ai pu voir l'ENA, mais justement j'ai pas encore vu la Fondation Collins. Ah bah voilà, je me présente, Rico. Ok. Donc vous voyez, je travaille au Zombicar, mais je fais aussi partie de la Fondation. Ouais, ok. On vous a déjà présenté un peu ce que faisaient les deux associations ou pas du tout? Bah l'ENA oui, mais on m'a plus ou moins dit que Fondation Collins c'était pour des logements et des choses comme ça. Alors... Oui et non, c'est-à-dire qu'on aide aussi pour les permis, on aide aussi pour si on a des véhicules qui sont offerts par des membres ou par des personnes qui veulent participer, on peut aussi proposer des véhicules. Ok. Pour les logements, on peut aider, on peut faire un prêt à taux zéro de 25 000 $, il faut juste que vous trouviez un colocataire. Ok, ouais. Donc ça, on peut vous inscrire sur des listes et vous proposer des noms de personnes. Ouais, okay. Et après, ce qu'on fait aussi à côté, c'est qu'on organise des événements. Vous avez peut-être dû voir passer sur le Weasel News les annonces, par exemple, pour le Battle for Courts. J'ai pas vu, mais... Mais c'est un événement, en fait, qui est bon, par équipe, où les gens se battent avec des tasers. Okay. Et c'est organisé par la Fondation, par exemple. Ok, ouais, d'accord. Donc, on organise plusieurs événements sportifs de ce type-là. Ce qui permet de réunir un peu les gens, et voilà. Ouais, ok, bah c'est cool. Et on essaye de voir un petit peu avec les entreprises aussi s'ils ont des places et tout pour proposer aux nouveaux arrivants dans la mesure du possible. Ok, ouais, d'accord. Donc, si vous voulez, là je suis désolé, je suis un peu. J'ai un peu de travail, etc. Donc ça va être ouais, un peu bien compliqué. Sûr, bien sûr. Je peux vous donner mon numéro de téléphone. Volontiers, ouais. Vous m'avez dit votre prénom, c'est comment? Rico Narvaez. Rico. Ok. Là, je vais le faire. Ok, et du coup, votre numéro 8509. 8509, ok, nickel. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ouais. Si vous souhaitez passer le permis camion, le permis voiture, n'hésitez pas aussi à me le mettre dans le message. Maintenant ou plus tard, hein, peu importe. Ouais. Je vous rappellerai sûrement si j'ai besoin d'informations complémentaires pour remplir les dossiers et qu'on puisse ensuite... vous apporter l'aide que vous souhaitez pour le coup. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Je vous ai juste envoyé mon prénom. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Bon, okay, je vous souhaite la bienvenue sur l'île en tout cas. Merci. Et puis passez une bonne journée. Pareillement, au revoir. Merci, au revoir. C'est bon? Le collègue s'occupe de vous? Yes, nickel. Ça marche. Eh hey, bonjour monsieur dame. Bonjour. Ah ben ça va en plein rush comme tu peux voir. Ouais je vois ça, j'allais t'envoyer un message si t'es trop occupé. Non, bah là c'était un gars qui est là sur l'île depuis 3 jours donc ouais. Je mets ma casquette Fondation Collins et puis en avant Guingamp quoi. Ah mais c'est vrai que t'en fais partie, j'ai oublié. Ça va bien, je peux pas marcher arrière avec ce truc. On va éviter. Attendez. Ça va sentir la glissade, ça. La vraie attention d'être avec un camion alors que je suis dans une putain de. C'est ça d'aller au Mont Chiliad. Je t'emmerde, moi, tu vas voir. moi, je m'emmerdais, je me suis dit, tiens, je vais m'éclater un petit peu. Littéralement. Je me suis bien éclaté la gueule, c'est bien nickel.
Et là tu me dis fais gaffe au Lost. Non mais t'inquiète pas, c'est pas les Lost. Pas besoin de Lost. Tout seul ça suffit déjà. Oui tout seul, juste Maria, moi tout seul, nickel. Je me fais emmerder tout seul. Faut juste pas crier trop fort sur ce type de parking. Hein, bah je... Mais non, je préfère prévenir. Ouais, on chuchote, t'inquiète. Ah oui, non, mais il y a des endroits où on peut se permettre de parler fort. Ici, c'est pas forcément toujours la bonne idée. Voilà. Sinon, comment ça se passe aujourd'hui? Ouais, ça se passe. Okay. J'ai pu voir des trucs que j'avais pas vu encore. Donc, tout va bien. J'ai pu compléter mes formations. Donc, si ça se passe bien, je pense que le CDI, la semaine prochaine, c'est validé. Oh, bah ouais, tant mieux. Je pense que ça va être pour la semaine d'après encore. Vu que j'ai pas passé les deux semaines encore, mais... C'est ma deuxième semaine de CDD, donc... Et par rapport à ce que tu m'as demandé hier, j'ai pas encore eu l'occasion. Ouais, mais y a pas de soucis, t'inquiète pas. Je pense qu'elle devrait pas tarder. On verra, de toute façon c'est sur la durée. Mais ouais. Et on pose pas des questions sur mes activités. Jamais. C'est pas la bonne idée. Ah bah tiens, Ayrton. Ouais, j'ai vu qu'il est à la vigne et ouais, il a l'air de bien s'y plaire et tout. Normalement, je fais une soirée avec lui ce soir. Bah, si vous voulez venir, si jamais vous êtes en état. Ça va être compliqué pour elle. Un petit peu compliqué. Bah, ça dépend quand est-ce que se finissent les RTT. Enfin, les ITT, pardon. 3 heures. Dans 3 heures. Je crois que je vais aller me reposer. Non, mais c'est bon. Non, parce que nous, on fait juste la montée. Mais je suis pas là de fin ce soir, de toute façon. La montée du Mont Chiliad à vélo. Ah oui, bah non, bah allez, salut. Non, mais ce sera sans moi. Putain, j'en ai marre de ce truc. Pardon, voilà. Allez, ce sera sans moi, salut. Mais non, mais. Je vais la ramener. Mais j'en ai marre, je glisse. Chez la coloc, et puis. Chez la coloc, et puis. Je glisse dès que je tourne, c'est dingue. Puis je vais repartir bosser. C'est sympa le drift en fauteuil. Oui, non, c'est la merde, non, c'est. Ah, j'en profite. Rien, là, je sens que c'est l'éclate là. J'ai l'impression d'être un camion alors que je suis un putain de chaise roulante. Magnifique. Mais c'est ça qui est bien. Après, le souci pour ce genre de truc, c'est qu'on a plus envie de jouer avec les poignées derrière pour s'amuser. Oui, alors. J'ai pas envie d'essayer, oui. J'arrive pas en plus à l'aider à rentrer dans la voiture avec le fauteuil. Non, il faut la déplacer, la soutenir et pour la mettre dans. Écarté. Sur le siège et ensuite mettre le fauteuil dans le coffre. Mais comment je vais faire dans le sable, moi, c'est magnifique. Ah. C'est pour ça. Tu peux pas mettre une personne dans le fauteuil. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il va me faire? Oui, non, j'avais une autre idée en tête. Et, alors, Ayrton. Ouais. Bon, bah, je vais. Je vais te ramener, Marais. Oui, ce serait bien. Il y a besoin de repos, ouais, je pense. Ça fait 20 minutes que je suis dedans, je vais crever. Mets les freins. Vas-y. Ouais. Je le. Entre. Oui, d'abord je. Voilà, faut bien ranger le fauteuil, bien le mettre dans le coffre et après. Oh, mais quelle heure ce soir? Je pense que ça va être 21h, on avait dit 21h. Non, 22h30, pardon. 22h30? Ouais, est-ce qu'il y a Dwayne qui vient avec nous après le service? Vers quelle heure tu penses? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que soit on est blessé, soit on arrive à redescendre. Ouais, plutôt la deuxième. Hein. Ouais, on arrive à redescendre, ouais. Ouais, c'est c'est le principe. Bon, allez, à ce soir. À ce soir. Ciao. Salut. Ah, salut Mike. Salut. Moi je suis déjà handicapé, c'est ça que tu voulais dire? Moi c'est drôle hein, c'est ça que tu voulais dire. Ah, on est là. Ah ouais, d'accord. Je suis sur mes jambes hein. Je commençais à avoir ma faim et ma soif qui descendent. J'étais là, non c'est pas bon, non c'est pas bon, non c'est pas bon. On va éviter le coma, hein. Ah, il faut que je pose le ticket repas.
Ok, ticket n'est pas posé. Tout va bien. Bon, je voulais prendre une petite pause, moi. Il va falloir que j'apprenne un moment. Peut-être pas mal aussi. Tu veux l'essayer, elle est ouverte. Non, 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 je... On va éviter. Bon, du moment que tu vas pas... du moment que tu rentres pas dans une pompe ou que tu la foutes pas à la flotte, si tu l'abuses, c'est pas grave, on est mécano. C'est sûr, c'est sûr. Alors, je vais faire ce véhicule, puis après, je vais prendre une petite pause plutôt. Je pense que ça sera plus prudent. Ah, bonjour. Et bonjour. Elle ne t'éteint pas? Oui, s'il vous plaît. Oula, vous avez un beau cocard, je pense que vous avez fait, mais... Ouais, il se peut que j'ai tapé un arbre. Ah. Ouais, allez voir les médecins, on sait jamais. Ouais, j'allais voir après. J'ai l'habitude de rencontrer les arbres, c'est pas forcément des rencontres heureuses. Ah oui. Toujours mieux que le coma en plein service de Black Cat devant un client. Oui, non, mais ça... C'est sûr qu'il y a des trucs, ouais. Ça, c'est plus compliqué, ça, ouais. Bah, le mieux quand même, c'est mon arrivée, quoi. Tomber en coma parce que tu sais pas, enfin, tu sais pas que t'as de la boisson sur toi, alors que et tu demandes une boisson, faut être très con quand même, hein. Quelque part, ça reste aussi du truc de compétition, hein. Et voilà, la petite réponse est terminée. Merci bien. Vous avez un ticket repas ou... Tout à fait. Ah bah c'est parti, je suis prêt pour le prendre. Et voilà pour vous. Merci. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sur l'île? Non, ça fait un petit peu plus d'une semaine. Et bonsoir. Et c'est pas vous que j'ai rencontré à la récolte glacier qui avait ramassé mon camion? Si, c'est fort possible. J'étais passé à travers le pare-brise de la dépense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est moi. Ah, il me semblait bien vous avoir connu. Ouais, non, mais bon. Quand je vous dis que vous n'êtes pas le seul à avoir des déconvenues avec les véhicules. Ouais, bah ouais. Mais du coup, pour vous, ça va mieux? Ouais, oui, oui. Ça, c'était pas trop grave non plus. Une côte fêlée. Et, ils ont eu peur d'un trauma crânien, mais sinon. Ouais.
Comme j'avais encore des bandages sur les bras, bah les vitres m'ont pas trop blessé. D'accord. J'ai connu pire, quoi, on va dire. Ouais. Bon, mais bon, sur le coup, ça va faire quand même de belles frayeurs aussi. Hein. Ouais. On va dire que les médecins étaient pas forcément très très contents de me voir. Pourquoi vous avez un petit abonnement là-bas? Non, c'est que j'ai un dossier difficile, on va dire. Ah. Donc, quand ils me voient débarquer, c'est pas toujours un plaisir pour eux. Ah, d'accord. Donc, ouais, non. Moi, j'y vais, mieux je me porte, mieux ils se portent aussi, je pense. Oui. Surtout faire gaffe après de pas être blasquisté là-bas. Non, ça risque pas, mais faut toujours éviter les blessures, c'est toujours mieux. Oui. Ah, et vous avez eu des nouvelles de boulot, de trucs comme ça? Bah, j'avais postulé là récemment chez Volt. Ouais. Mais ils sont pas pressés pour répondre, quoi. Attendez, que je me trompe pas, je crois que Evolt, niveau recrutement, c'était pas ça. Attendez, je vérifie. Bah, j'ai fait dans la semaine, et ils recrutaient jusqu'à 5 personnes à peu près. Ouais, mais après, je sais qu'ils ont eu des. Enfin, ils veulent plutôt des personnes très présentes. Donc après, il faut avoir des amplitudes horaires de mémoire qui sont assez importantes. Ouais. Des échos que j'ai eu dedans, j'ai un ancien collègue de la Syrie, justement, qui est là-bas. Et ils ont eu plusieurs problèmes avec des personnes qui étaient assez peu présentes. Donc c'est vrai. D'accord. Que si c'est des. Parce que, enfin, il faut. Pour pouvoir faire les quotas, etc., je crois que c'est 8 ou 9 heures de présence. Ouais, c'est un truc comme ça qu'il m'a raconté, mais... C'est des trucs à tenir quand même de façon assez importante. Donc les personnes qui sont pas dans ces horaires-là, c'est plus compliqué, quoi, on va dire. Bah justement, à chaque fois, ce que je dis à tout le monde, c'est que, ok, en semaine, je peux pas forcément être beaucoup là longtemps. Mmh, bien sûr. Mais par contre, le week-end, je peux être là vraiment toute la journée, quoi. Oui, ça, je me... Donc je, au final, le quota que je peux pas faire en semaine, bah je sais très bien qu'en un week-end... Il est déjà atteint, quoi. C'est ça. Mais après, le truc, c'est que... Bah, après, je connais pas le fonctionnement interne complet. C'est ça. De l'entreprise. Mais le problème, c'est que si toutes les personnes qui recrutent sont là que le week-end, bah, en fait, pour faire les quotas, c'est plus compliqué. Parce que... Ça, après, ça, j'entends bien aussi. Tout le monde se déplace en même temps. Et suivant ce qu'il y a à faire, bah, si c'est des éléments à fabriquer ou quoi que ce soit, faut comprendre que c'est plus compliqué. Ah, bah, oui. J'en discutais tout à l'heure avec une personne du SHMS. Ouais. Qui me disait, en fait, maintenant, ils cherchent des personnes... Non, de Darrel, pardon. Ils cherchent des personnes qui ont des horaires précis. Parce que s'ils sont trop nombreux en même temps à la production, ouais, ils n'arrivent pas... Enfin, personne n'arrive à atteindre le quota. D'accord. Parce qu'ils sont tous en même temps... Là, ils disaient 8 ou 9 en même temps à la production. Et donc, en fait, les stocks ne sont pas extensibles. Forcément. Donc, les stocks, une fois qu'ils sont pleins, bah... Si tout le monde est sur les mêmes horaires, personne n'arrive à faire ses quotas. Ouais. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, et c'est là où c'est compliqué. Je sais que chez Darnell, ouais, c'est ça, ils recrutent des personnes qui sont là de matin, d'après-midi et de nuit. De soir, ils veulent plus. D'accord. Donc est-ce que c'est pareil pour Evolt? Je peux pas le certifier, mais il y a possibilité que ce soit ça. Ouais, bah je me doute, mais bon, au moins... Qu'ils nous fassent pas pour arrêter non plus comme ça, quoi. Parce que bon, moi là, je sais que je vais repousser dans d'autres boîtes, mais... Ah non, il faut postuler dans plusieurs entreprises. Et c'est si possible, dans plusieurs entreprises qui vous donnent envie d'aller dedans. Ou alors dire, bah, quand vous faites les entretiens, voilà, moi je postule actuellement dans votre boutique, mais aussi dans d'autres parce que bah, j'ai besoin de travailler. Voilà. Ça peut montrer aussi une envie de travailler en disant, bah voilà, je... Vous pouvez toujours dire lors de l'entretien, même téléphonique, voilà, c'est votre boutique dans laquelle je veux rentrer en premier, mais je peux pas rester comme ça sans rien faire. Donc, ouais, bah oui. Faut pas hésiter à vendre comme ça pour ce genre de choses. S'il y a besoin, vous avez mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler hein, pour si j'ai des contacts ou autre, ça peut permettre de rentrer plus facilement dans certaines entreprises. Hein. Faut vraiment pas hésiter pour ce genre de choses.
Ouais, bah ouais, parce que bah, la Syrie, ouais, ok, c'est bien 5 minutes, mais. Bah, le problème, c'est que la Syrie, si on veut être rentable, il faut faire 5-6 runs, on va dire. Enfin, il faut prendre la nourriture pour 5-6 runs, sachant qu'il y a une run qui payera uniquement la bouffe, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça permet de vivoter, mais ça permet pas non plus de vraiment s'en sortir. Bah c'est ça tout à fait, et bah pour vous dire un petit peu en termes d'amplitude horaire, c'est ouais le soir en semaine, bah quand je suis là, ouais c'est limite j'ai le temps de faire une voire grand max deux runs de d'Assyrie, oui, oui parce qu'il faut 1 heure à peu près par run, et ouais c'est c'est très ça, compliqué hein. C'est très très compliqué, je sais bien, mais bon c'est bah là c'est pour où ça, et je pense que bon d'un côté ouais je comprends les entreprises que ça bloque un peu ces horaires là, mais je sais bien, je sais bien. Je vous avais proposé les logements, etc. Ouais, vous m'avez proposé, et en fait là j'attends justement une personne que j'ai rencontrée à la Syrie qui est maintenant au SAHP. Ah, monsieur Edlac, c'est ça? Non. Non, c'est qui vous? C'est Morgan Thompson, mais je sais pas s'il était inscrit sur la liste. Non, il n'est pas inscrit. Et bah justement, vu que c'est on a déjà parlé quand on était tous les deux à la Syrie pour une coloc. Et bah en fait, j'attends juste son retour pour savoir si c'est toujours OK de son côté. D'accord. Ouais, parce que moi je vous vois pas sur les listes. Attendez, si vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît, parce que je. Meyers. Ouais, non, en fait, je vous ai même pas sur les listes. Je vous vois même pas dessus. Et je sais quoi, on avait vite fait parler quand vous avez ramassé le camion, mais Attendez, je vous ai quand même bien rentré dans mes contacts. Je suis pas complètement fou, on sait jamais. Hein. non. Après, Si, en même temps, vu dans l'état où vous étiez. Dan Meyers, oui, si, ça va. Je suis pas encore complètement fou, ça va. De ce côté-là, ça va. Non, mais voilà, faut pas hésiter à mettre un petit appel ou ce genre de choses. Si jamais vous voyez, enfin, vous avez des petits problèmes et trucs comme ça, moi je peux essayer de me renseigner auprès des divers Ouais. contacts que j'ai dans les entreprises pour justement savoir où en sont les recrutements, si je sais qu'il y a beaucoup de listes ou qu'ils cherchent un profil particulier. D'accord. Avec le vôtre, je peux. Enfin voilà, si je cherche vraiment quelqu'un pour le week-end, parce qu'il y a certaines personnes par exemple qui ne viennent pas le week-end, qui restent au lit et qui préfèrent ne pas travailler Ouais, pour bah oui. raison X ou Y, ou qui ont des papiers, ce genre de choses. Donc il peut arriver que des fois, le matin, en week-end, ça peut les intéresser. Ou D'accord. le début d'après-midi, enfin, ce genre de choses. Ouais. Donc ça, par contre, si à mettre en avant, c'est toujours, ça peut être toujours important pour eux. D'accord. Faut pas hésiter là-dessus. Ouais. Ouais, bah ouais, j'essaierai d'essayer d'appuyer un peu plus là-dessus à l'occasion. Ouais, je peux pas vous dire, donc voilà, faut si j'ai des infos là, ben voilà, je vous les donnerai, mais là pour Ouais, bien sûr. l'instant moi je sais un peu certains états de recrutement, etc. Mais après on essaye de mettre à jour de notre côté, Mais bah oui. voilà. Mais par exemple pour certaines entreprises, quand ils font des recrutements, c'est par ils passent par mail en fait, ou par lien de site. Donc Ah ils ouais? ont une page de recrutement, etc. D'accord. Par exemple pour le Yellow Jack, ouais, ils ont des formulaires de recrutement. C'est le cas pour le Yellow Jack ou pour le SHMS. Alors je sais pas si c'est eux quand vous les appelez qui vous donnent le lien, etc. pour que vous puissiez aller dessus. Mais voilà. Après, il y a certaines entreprises comme le Zombie Car par exemple qui prennent les CV comme ça. Et puis quand le patron a suffisamment de CV et qu'il voit qu'il a trop de place à pourvoir, là dans ces cas-là, il regarde les CV quoi. D'accord. C'est chaque entreprise travaille un peu différemment. Oui, Donc bah oui. certains ils mettent un message en mairie et voilà, on attend de place de disponible. Les gens postulent, ils regardent tout de suite les CV qui tombent et puis ils remplissent les places. Et puis une fois que c'est fermé, ils disent à la mairie, c'est bon, on n'a plus de place, quoi. Alors que d'autres font des D'accord. recrutements d'un seul coup en fonction de qui est présent ou pas. C'est toujours un peu. Ça dépend vraiment des entreprises. Ouais. Donc OK. ne pas hésiter à regarder bien sûr ce que les annonces des mairies. Mais après, voilà, voir avec des fois les associations, enfin avec l'ENA ou avec nous-mêmes.
en fonction. Ouais. Ça peut être pas mal. D'accord. Ouais, bah, je regarderai, je ferai quand même plus attention à ça pour les prochains. En tout cas, je vous remercie quand même pour toutes les informations. Je vais vous laisser bosser. Le truc, c'est de vous aider, vous. Hein. Oui, bah moi oui. Aussi, quand je suis arrivé sur l'île, sans aide, c'est compliqué de. Voilà. Après, j'ai eu un peu de chance pour pouvoir rentrer au Zombicar et c'est là où je voulais aller. Ouais. D'autres ont voulu venir et. Bah, on leur a jamais rien dit et ça peut être compliqué, quoi. Ouais, bah oui. Donc voilà, moi je suis rentré à la fondation pour pouvoir aider. Donc si je le fais pas, je comprendrai pas ce que je fais dans la fondation. Oui, bah oui. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à poser plusieurs CV, à bien préciser que c'est pas. Enfin, quand c'est pas votre premier choix et que c'est pas une entreprise où vous voulez forcément aller, de bien préciser lors de l'entretien. Voilà, je viens chez vous, j'ai postulé à plusieurs endroits. Pas forcément dire c'est pas l'endroit où je voudrais être, mais voilà, si vraiment et d'essayer de mettre en avant les points, d'être présent le matin, peut-être que le week-end, mais voilà, ou des points en tout cas qui pourraient vous mettre en avant et vous faire passer devant d'autres CV, quoi. D'accord. Et puis bah s'il y a besoin, un petit coup de fil, et puis moi je peux essayer de me renseigner en fonction des infos que j'ai. Ouais, ça marche. Bah, en tout cas, bah, je vous remercie. Hein. Pas de soucis, c'est un plaisir. Mais bon courage pour la suite. Merci, bah vous de même. Bah, merci. Il y a des chances que je vous rappelle. Ouais. Généralement, j'essaye de suivre un peu les personnes que j'ai rencontrées pour savoir comment ça va et comment ça avance pour eux. D'accord. Donc voilà. Ok, bon. Bah il n'y a pas de souci. Bah, passez une bonne soirée. Bah merci à vous aussi. Et puis bah, à plus tard. Peut-être prochaine. Au revoir. Au revoir. On les emmerde, hein. Totalement. Nico. C'est moi. Ça va? Ouais. Ah, j'ai pu faire les pièces tout à l'heure. On a fait des kits carreaux. J'avais pas fait encore. Ah, cool. Bah, félicitations. Ah oui, c'est trop bravo, bien. Oui. Dépuceler de la pièce auto. Incroyable. T'as vu, c'est super compliqué, quoi. Ah, j'ai... Ouais, un nouveau cerveau. T'as su prendre et mettre des pièces. Ah, le vrai nouveau cerveau, quoi. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ah, la subfaxatique qui est ok. Ouais. Bon, puis on va la commander, du coup. L'autre, il n'a pas répondu pour l'instant. Mais envoie-lui un SMS. Ah. Ouais, c'est déjà fait. Il faut que tu le marques. Je reviens. Bah, je l'ai marqué que j'ai envoyé un SMS. Hey, bonjour. Et bonjour, il me faudrait une petite réparation sur le bricade, s'il vous plaît. Je regarde juste que j'ai bien ce qu'il faut sur moi. Ouais, d'accord. Ça devrait être bon. Allez, on y va. C'est parti. Ah, il est presque tout neuf, ce camion. Oui, j'ai frotté une voiture, du coup, je me suis dit, je vais quand même passer. Alors, mesure de sécurité quand c'est avec moi, toujours se mettre soit devant le camion, voilà. Aussi loin, peut-être pas, mais on sait jamais. Voilà, c'est bon. Parce que j'étais suffisamment loin. Oui. Je fais de la prévention, maintenant. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, ça va, il a pas trop touché. Mais je m'arrête, généralement je m'arrête, même si je fais pas grand dégâts. Bah, question de sécurité, de toute façon. Voilà, c'est ça. Après, un véhicule bien entretenu, ça permet d'aller au travail tranquillement, sans souci. Allez, le petit coup de lingette. Comme vous êtes sur la route, hein, ça fait juste un petit détour... Puis nous, c'est bien, ça fait rencontrer des gens, c'est toujours exactement. Agréable. Ben voilà. Allez, voilà. Merci beaucoup. Tout est bon. Et passez une bonne soirée. Ben, bon vous courage de même. À vous. Bonne et puis à sup, la prochaine. Si vous allez en sup. Non, je rentre justement. Ah, fin de service. Ouais, fin de service. Hein. Ah, bah, profitez-en bien. Yes. Et ben merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Ah, ouais, mais c'est jour repas.
présente au groupe là. Non, j'avais pas son numéro, docteur du cul. Oui, il travaille chez Darnell. Oui. Oui. Oui, mais c'est quand même un docteur du cul, hein. Darnell bah, du tiens, Rico, est-ce que tu es déjà allé chercher un véhicule au parking central? Non, j'allais faire une petite pause là. Ah. Rip. Ouais, bah non, pas rip, hein, du coup, c'est Zen qui va y aller. Allez, ah, Isaac, ah. Tiens. Isaac, tu l'amènes jusqu'au parking? De quoi? Il va rien dire. Mais non, faut amener Zwen. Est-ce que tu peux amener Sven jusqu'au parking central pour qu'il remonte la suite? J'ai rien. Ah oui, bien sûr. Allez bien Sven, je t'emmène. Bonsoir, comment ça va? Pivou. Moi Pivou, ouais. Si ça va Pivou. Ah oui, bah Pinou ça va. Et on a que la sultan à remonter? Oui. Ok. L'autre on l'a remonté déjà. Bonjour madame. Et bonjour. Yo 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 yo. Voilà, c'est bon, c'est tout propre. Et merci à vous. Pas de soucis, bonne soirée à vous, messieurs, dames. Et merci, bonne soirée. Au revoir. Allez, moi je file. Et je reviens, ouais, je reviens d'ici une petite heure. Ok, à toutes. Oh. Oh. Wow, j'ai pas entendu arriver celui-là. Ouais, j'ai failli servir de crêpe là pour le coup. Bonjour monsieur Balthazar, comment ça va? Bien, jette ou pas? Oui, Mike, s'il te plaît. Oui, ça va. À toutes. À toutes. Oui. Ah, super. Oh, trop bien. Bah, ça me fait plaisir. Bah, ça fera plaisir à Mike, je vais lui dire. Non, Mike, il va pas se marier aussi, il vient. Ah, cool. Il a dit non, 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 surtout pas, il veut pas se marier. Voilà. En même temps, il a pas d'âge. Allez, on va passer en pause pour une petite heure. Comme ça, moi, je vais manger tranquillement. Je vais... faire le petit AFK bio, etc. Tout ce qu'il faut. Et puis... je reviens pour 20h ou un peu avant, pour histoire de ne pas avoir de soucis avec la rocade. J'espère que ça passera. Normalement, ça devrait passer, mais bon, sait-on jamais. Et puis ça devrait le faire. Donc je suis désolé, hein, la fin de live va être, enfin pour le moment, va être un peu abrupte. Juste le temps que je fasse tout ça. Comme ça au moins je coupe un peu le PC. Ça me fait une petite pause qui sera bienvenue. Je regarderai mon message plus tard. Donc on va forcer la sauvegarde tout de suite. Je vais vous lancer peut-être un petit raid. Le temps. Hop là. Voilà, juste le temps. On va revenir sur l'écran 2. Voilà, juste le temps que tout aille bien. Hop là, moi je vais juste faire ça. Donc, hop là, je vais juste regarder vite fait qui est disponible. Hop là, 21. Live. Normalement, je crois qu'il y a Toshiro qui stream. Tu
Tic tac tac. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai Toshiro. Bah, on va aller sur le live de Toshiro. Donc on va lancer un raid. Allez, c'est parti. Donc petit raid chez Toshiro, pardon. Toi tu vas pas, d'ici une petite heure, toi tu seras sur le stream de Leg, ou en tout cas sur la demi-finale, toi Marco. Donc je te souhaite une bonne soirée si tu reviens pas ce soir. Merci d'être passé en tout cas, un vrai plaisir. Pour le coup, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Toshiro pour le soutenir. Tu as maté le cast anglais. Bah, bon cast en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à soutenir Toshiro pour son stream, à le questionner, etc. sur ce qu'il fait, puisque c'est forcément différent que ce qui est présenté avec Rico, même si on est souvent en contact avec Max. Ça vous permettra, avec le joueur de Max en tout cas, et avec Max dans le jeu, avec Rico, ça vous permettra de voir un petit peu. Lui, il est plutôt Black Cat pour le coup, même si là, il est plus avec en pause, je crois, j'ai l'impression. Donc voilà. Allez, sur ce, petite pause, on se retrouve d'ici une heure pour ceux qui sont présents. Et sinon, bonne soirée à tous, bon week-end. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Salut.